Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions pour une émission spéciale au profit d'une association grâce à des artistes courageux. Ce soir, nous jouons pour Ella. Depuis sa création, vous le savez, vous ne le savez pas, mais je vais vous l'apprendre avec plaisir car c'est important. En 1992, Ella, parrainée par Zinedine Zidane, Florent Pagny et Amel Bent, mobilise toutes les énergies pour lutter contre ce que l'on appelle les leucodystrophies. De quoi s'agit-il ? Ce sont des maladies génétiques dégénératives qui touchent le système nerveux, le système central, et paralysent peu à peu toutes les fonctions vitales. Chaque semaine, en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces terribles maladies. Depuis 20 ans, Ella a financé 414 programmes de recherche médicale pour près de 33 millions d'euros. Les deux priorités de l'association sont de financer la recherche, bien sûr, et de soutenir toutes les familles concernés dans leur quotidien. Donc, nous avons besoin de vous. Les artistes, nous avons besoin d'eux. Ce soir, nous jouons avec Isabelle Mergault et Chantal Latsou, Amel Bent et François-Xavier Demaison, Cyril Hanouna et Élodie Gossuin, Florent Pagny et Nikos Aliagas, Régis Laspalès et Philippe Chevalier. J'accueille Florent Pagny et Nikos Aliagas. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir messieurs. Bonsoir, salut Florent, salut Nikos. On peut serrer la main. Allez, bonjour, je suis content. Mais comment allez-vous? Vous vous connais, je vous ai vu à la télé tous les deux. Moi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et je vous ai vu, mais il y a longtemps. Oh là! Commence pas. Quand j'ai commencé d'ailleurs. Mais comment on a commencé? C'est ma première télé, l'Académie des Neufs. La première télé, c'était l'Académie des Neufs. J'avais 13 ans. Exactement. Moi, j'en avais 14 et demi. Et voilà. Et Nico. Moi, c'était la Star Académie, j'en avais 16. Et tu vois ce qu'il nous. Et il y a toujours de l'Académie, donc nous sommes des académiciens, alors, nous devrions. Florent prépare un nouvel album qui va sortir en mois de novembre, c'est ça? Oh bah, toujours un peu. Oui. Je prépare toujours un nouvel album, c'est un peu ma raison de vivre, de chanter, et donc en effet, il y a un album qui va sortir au mois de novembre. Au mois de novembre, donc on en reparlera au mois de novembre. Peut-être pas... Et là, Nikos ne sort pas d'album au mois de novembre, donc. Pas encore, je suis à deux doigts depuis qu'il est mon coach dans The Voice. Et temps, forcément. C'est vrai qu'il y a eu cette magnifique aventure. Superbe, on attend avec impatience... La suite, évidemment. De personne ne m'appelle, je ne suis pas sûr d'y être. Non, mais la vraie question est, est-ce qu'il va garder sa barbichette l'année prochaine, quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas montrer que ça commence à descendre, qu'il y a des rides. C'est pour ça que les hommes mettent beaucoup de moustaches, de barbe. On voit moins les défauts. Mais non, c'est la sagesse. Ça va nous aider d'ailleurs, ta sagesse. Ça, c'est Regardez la pyramide des gains qui vous attend pour l'association est là. Allons-y. Une première question à 800, deux paniers, 1548 000. L'apothéose avec le million, trois jokers. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public, c'est bon. Tout, il n'y a plus qu'à. Bon. Allez. Voici donc Florent et Nikos, qui jouent pour l'association Ella, généreusement, à qui veut gagner des millions. Première question. Ouais. Selon la légende, messieurs, les nuits de pleine lune, certains hommes se transforment en loups-garous, en loups-panis. En loup Nikos, en loup Jennifer. C'est une question à 300 000, c'est ça? C'est ça. Allez, d'accord. Bon. Allez. C'est une histoire de poils. Tu l'as, là, je te laisse quand même. Place au sage. On est bien d'accord que si c'est une histoire de poils, fais gaffe, ça peut être... Oui, c'est vrai. Bon. Ça peut être plus que les garous, quoi. Ben forcément. Oh, ben bien sûr. Oui, forcément. Ben là, joli clin d'œil, en tout cas. Joli clin d'œil à The Voice qu'on évoquait. Bravo, bonne Lugaro, réponse, Lugaro. C'est Bertignac qui va pas être content. Oui. Mais bon. Allez, on court vers le premier palier à 1500 euros avec cette panier. Question. Palier. Ah, d'accord. Palier. Il se fout de ma gueule, il m'appelle Panier. Dans l'Iliade d'Homère, la belle Hélène est enlevée par Marseille, Paris, Nice, Lyon. Ah, c'est un truc de grec. Alors ça, c'est... On va du côté de chez vous. Ouais, c'est vrai. Alors, ça aurait pu être... Marseille était grec aussi, hein, du côté de chez vous. Fossé, oui.
Manifo, c'est un Massilia. Massilia. Mais c'est clairement un... Il était un peu un berbe, celui qui l'avait enlevé, la belle Hélène. Il l'avait enlevé à Ménélas. Et la guerre de Troie a commencé à cause de cet enlèvement pour une histoire de zigounette, quoi. Ah bah c'est toujours un peu le même problème partout. Donc c'est évidemment, si vous le permettez, Monsieur Pagny, oh oui. c'est la réponse B, Jean-Pierre. C'est en effet Paris. Ouais. Bonne réponse, voilà. Nikos. Salut. Voilà. 1500. On peut y aller. Bon, jusqu'à là, tout va bien. On a évoqué The Voice, on a évoqué la Grèce. Voici la troisième question. Qu'allons-nous évoquer maintenant? Allez-y. Sur la plupart des portraits du Che, le Che Guevara, quel symbole orne son béret? Vous l'avez porté, vous, ce béret, non, Florent? Enfin, j'ai porté le béret, oui. Oui, une faucille, une étoile, le drapeau cubain, les lettres URSS. Oh, on va pas aller jusque-là, je pense que... Tu vas pas me contrarier, mais je pense qu'une étoile... Je pense aussi, oui. Ça ira bien au béret du Che. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah bah là, vous me faites douter. Moi j'ai douté, je me demande, mais ouais, c'est l'étoile. Oui, l'étoile. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Vous êtes sûr? Je veux dire, on aurait déjà perdu. Ce serait con. Alors, bah c'est ouais, attends, essaie de te projeter. Tu es Che Guevara. Ouais. Tu as ce regard, tu vois, en plus t'as la petite, la moustache, la barbichette, ouais. Tu as ce regard comme t'as ça. T'as pas la faucille, c'est sûr que non. Non, tu l'as pas. Les lettres URSS, ben c'est sûr que non. Le drapeau plus... cubain... Non, il était dans l'armée révolutionnaire cubaine. Oui, voilà, mais c'était pas un cubain. Il était commandant, c'était son étoile de commandant. Tout voilà, ça. Voilà, donc, voilà. Voilà. C'était son grade dans l'armée révolutionnaire. On a douté. Ouais, bah oui. On a dit, écoute-le, écoute, fais douter. 1, 2, 3, 4. Quatrième question pour 6 000 euros. Uh-huh. Voulez-vous chanter avec Luis Mariano à Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante le temps, c'est de l'amour, fais des détours, paraît trop court, vous dit bonjour. Luis, s'il vous plaît. Paraît trop court. Attends, oh, oh. Mexico, 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 sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Le temps paraît trop court. Ne me pose pas d'autres questions. Le temps paraît trop court. Si j'en ai encore le une. Le temps, c'est de l'amour, non. Le temps fait des détours, non. Le temps vous dit bonjour, non plus. Le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Excellent, c'est une vraie ça phrase. Se termine, hein. Et c'est Mexico. Votre dernier. Et c'est mon dernier. Oui. Voilà. Bravo. Je fais une petite tierce. Non, mais lui, il chante bien. Mais il chante très, très bien. Il chante très bien. Maître. Donc... C'est paraît trop court. Pour goûter au bonheur j'espère de chaque jour. Pas trop court. Tes femmes sont ardentes et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. C'est paraît trop court. Bien ouais. sûr. Ouh. Ah, c'est chaud. Hein. Ah, pour l'instant, tout va bien. 6 000 euros. C'est bon. Les trois jokers, c'est bon. Trois questions pour arriver au second palier. Voici celle qui est aux 12 000 euros. Outre l'éléphant. Quel animal possède une trompe? Le tatou? Le tapir? S'il vous plaît. Pardonnez-moi. C'est une émission sérieuse. Le tatou? Non. Non. Le gnou? Non. Non. Le tapir? Oh non. Oui, aussi. Bernard Tapir, bonjour. L'ornithorynque? Moi, je dirais le tapir. Ah, c'est quoi le tapir? C'est celui qui aspire les fourmis. T'es sûr que c'est pas l'ornithorynque? Je suis à deux doigts, alors. Non, moi, je dirais le tapir. C'est pas le tamanoir, non le... Bah, il est pas marqué, le tamanoir, donc... Déjà, tu sais que c'est pas lui. Le tatou, c'est sûr que non. Le gnou, c'est sûr que non. C'est quoi, le gnou? Le gnou, c'est un espèce de mélange... Le gnou, c'est comme une espèce de buffle, enfin... Ah, mais... Un mélange de... Entre un buffle et une gazelle. Allez, hop. Un gnou. Donc c'est pas le gnou. Voilà, le tapir c'est celui qui mange les fourmis. Les fourmis et en donc, effet il a une espèce de... Il a un nez comme ça. Et le tapir. L'ornithorynque. L'ornithorynque. En grec ça veut dire quoi? Ornithos c'est l'oiseau.
thorax. Non, non, voilà, c'est ça. Il a pas, une trompe. Le tapir. Non. T'es sûr? Ouais, ouais, je suis ton sûr. Instinct dit. Ouais, ouais, le tapir. C'est votre dernier mot? T'es sûr que c'est une trompe? C'est pas un gros. Non, non, c'est mon dernier mot, mais il est bon, mon dernier mot, tu vas voir. Sa courte trompe lui permet de porter la nourriture à sa bouche. C'est le tapis. L'ornithorin qui a un bec, un oiseau. Le tatou, il a un museau un peu allongé. Et le nous, c'est une antilope. Oui. C'est ça, ouais. Ça, entre le buffle et la gazelle. Non, mais il a une drôle de tête, le gnou, de toute façon. 12 000 euros, toujours vos trois ans. Question 1, 24 000 euros pour l'association ELA. Voulez-vous me dire quel site naturel est devenu cette année un parc national? Je regarde. Le Mont Blanc, les Calanques, les Cévennes, le golfe du Morbihan. Non, je sais pas. Le Mont Blanc, c'est un parc national? Non. Ah non, mais là, je sais pas ni l'un ni l'autre. Ouais. J'ai vu un espèce de truc sur les trucs miniers, là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la question. Si toi, tu n'as aucune idée, je pense qu'on peut peut-être... On peut peut-être appeler mon... Ou prendre le public, déjà, parce que vous n'avez rien dit. D'accord. Hein? Ah bah, bien sûr. Allez, à vos télécommandes publiques, bonne idée. Alors, voulez-vous ça, nous c'est dire... un joker. Si oui. On demande au public, c'est, ça vaut pour un joker. C'est pas gratuit, c'est pas gratos. D'accord, ok. Donc, nous, on dit rien, parce qu'on ne sait rien. Ouais. Alors, cher voici public, la question. Soyez bon. Quel site naturel est devenu cette année parc national? A, le Mont Blanc, B, les Calanques, C, les Cévennes, D, le golfe du Morbihan. Vous votez maintenant et bonne chance. Uniquement si vous savez. Ils ont l'air de savoir. Ah ouais? Et le vote est en direct parce que là, on voit rien. Eh bien, pour 78% des votants, il s'agirait des Calanques. 78%. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Bah, quelqu'un qui a ça aux élections, il est content. Quoi. Ouais. Hein? Mais ça arrive rarement. Hein. Très rarement. Surtout ces derniers temps. Donc, on va le faire... Mont Blanc, 3%, les Cévennes, 12%, le golfe du Morbihan, 7%, et les Calanques, 78%. Que faites-vous? Ah ben, on va pas... On va suivre la majorité. On va pas s'embrouiller avec le public, tu sais. Hein. Le public a toujours raison, Jean-Pierre. Voilà. Même quand il a tort, donc... Non, et il a toujours raison. Les Calanques, je trouve que c'est une très bonne réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien... Enfin, c'était... Par un décret du 18 avril 2012, et elle le méritait bien. Ce sont les magnifiques Calanques entre Marseille et Cassis. On est chez vous. Merci, public. Bravo, public. Merci, public. En même temps, c'est le vrai public, ils habitent là, eux. Oui. C'est vrai que ça crée parfois quelques contraintes, mais on préserve ce site absolument magnifique. Sublime. Entre Marseille et Cassis. 24 000 euros. Eh, oh. Pas mal. Ah, ben, même très bien. Ah oui, on peut y même aller. Même très, très bien. On peut arrêter quand on veut, non? Essayez au moins d'arrêter à 48 000. Oui, bien sûr. Oh. Non, mais je veux dire, c'est... Ah, quand vous voulez, bien d'accord, sûr. D'accord, On continue. Avec cette question... Non, on va y aller. On va oui, on continue. On tente. Avec cette question qui vaut 48 000 euros, justement. Allons-y. Lequel de ces fromages vient de chez nous est fabriqué avec du lait de chèvre? Le bouton de culotte? Le puant de Lille? Le trou du cru? Le curé nantais? Alors, essayons de partir par déduction. Le puant de Lille, il y a des chèvres à Lille? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de chèvres à Lille. Oui. C'est peut-être pas une tradition. Il doit y en avoir, hein, comme partout, mais... Non, mais je veux dire, c'est pas une tradition. Non, bon, on voit pas des chèvres comme ça, oui. C'est... Et cette question, c'est pour mon bouc? Il pensait que c'est un évidemment truc que je connaisse. Ah d'accord, évidemment. C'est de côté merci la production. Alors, donc le puant de Lille, on va pas le... Le curé nantais. Il n'y a pas de chèvre à Nantes? J'ai pas l'impression. Le chèvre à Nantes là. Le chèvre, à quoi que... Non, bah non. Le chèvre, c'est le sud et la montagne, non? Non, le curé nantais, je le vois pas non plus. Le trou du cru est intéressant. Ouais, moi aussi.
C'est... Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est... le trou du cru, je le vois comme un petit chèvre. Alors, quel est le trou, quel est le cru, quoi, c'est, après, après le bouton de culotte... Culotte de cheval, non. Prenez le 50-50, prenez le 50-50. Ah, il y a un truc qui est 50-50 ? Oui. Ouais. D'accord. Ordinateur virait deux mauvaises réponses pour aider Florent et Nikos. Ouais. Alors, ça n'est pas le trou du cru, tu vois. Oh, je ferme ma gueule maintenant. Oh, je dis plus rien. C'est on a ou le bouton de culotte ou le curé nantais. Alors, qui est-ce qui se... Est-ce que le curé va plus avec la chèvre dans le... Non, mais dans l'inconscient... Collectif. Non, mais est-ce que tu peux aller plus avant dans ta réflexion? Oui, parce que ça me paraît, j'ai essayé de voir, parce que les curés, comme les membres du clergé, souvent, avaient des troupeaux. Ils faisaient leur fromage. Donc j'ai essayé de voir si on peut voir si, voilà, si la chèvre va... Avec... Ou si c'est la forme du curé en forme de... La forme du curé de, le fromage en forme de... De curé. Oui. Parce que le bouton de culotte... On est mal parti. Quoique le bouton de culotte... Alors, ouais, il y a le crottin de Chavignol qu'on connaît tous. Ouais. Le crottin, c'est du chèvre. Non, mais c'est à mon avis bouton de culotte. Curé nantais, Bretagne... Ou vous appelez quelqu'un. Ah. Ouais, mais là, on va si appeler quelqu'un tout de suite, pour savoir mais en même temps, quel fromage... Bon, je vais appeler. On appelle quand même, non? C'est un joker en moins. Tu préfères qu'on perde à 24 000 ou qu'on ait la bonne réponse éventuellement? Ah bah non, appelle. Quelqu'un, appelle. Hein? Appelle. T'as pas de certitude? Je vais appeler une de mes collaboratrices, Claire Dutronc. Claire, elle s'y connaît en... En culotte, oui. Et beaucoup. En curé. En curé, pardon. Je suis pas sûr qu'elle te réponde. Ça s'en occupe. Bon. Vous voulez parler? Je vais lui dire un petit mot. Je la connais, non? Non, non pas non. Encore. Mais bon. Elle est partie, la sœur-là. Oui, allô? Claire! Oui? C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Claire. Ah, bonsoir, Jean-Pierre. D'abord, bravo d'être là encore à cette heure-là au bureau. Félicitations. Ah, bon, incroyable. On prépare la rentrée. Incroyable. C'est normal. Dites-moi, vous allez peut-être aider Nikos et Florent gagner 48 000 euros. Ils sont très sympas. Il n'y aura que deux possibilités de réponse. La d'accord pression, là. On y va? Et c'est Nikos qui vous pose la question. La voici. Top. Alors, à ton avis, le bouton de culotte ou le curé nantais? Bouton de culotte ou curé nantais? C'est un fromage de chèvre. Il me faut l'un des deux. Il faut que tu me dises si c'est le bouton de culotte ou le curé nantais, puisque t'es spécialiste. Le bouton de culotte ou le curé nantais? Voilà. Est-ce l'un que des deux est un fromage de chèvre. Lequel? Est un fromage de chèvre. Le bouton de culotte ou le curé nantais? Le curé nantais. 10 secondes. T'es sûr? Le bouton de culotte. Plutôt le bouton de culotte. Ouais. Tu crois? Ouais, je crois, ouais. Ton instinct dit ça? Bah oui. Allez. Alors, c'est son déjà, vous avez une façon de poser la question tout à fait intéressante. Et qui a mis très à l'aise Claire, qui a tout de suite compris. Dis-moi, le nantais du bouton du lait de chèvre par rapport au fromage. Le bouton du curé de culotte nantais. Toi, tu disais aussi le bouton de culotte. Ouais, bouton est-ce de culotte. Que vous pensez grec et vous traduisez simultanément? Ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est simple. C'est vrai. On oublie, il est tellement... Et forcément polyglotte. Il est tellement à nous qu'on oublie qu'il est d'abord grec. Alors, elle a dit sur le curé nantais, puis sur le bouton de culotte. Ouais. Donc, à mon avis, c'est un bouton nantais. Oui. Non, mais Claire, elle a terminé en disant que c'était le bouton de culotte. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, on prend le bouton de culotte. On n'a pas le choix. Ouais. Ouais. Le bouton de culotte. Avec un doute énorme, mais bon. Il y a des boutons sur les culottes? C'est un fromage de chèvre du Mâconnais. Oui. Qui doit son nom à sa toute petite taille comme un bouton de culotte. 40 000. Je vais l'appeler assistante. Je peux l'appeler pour la remercier. Bravo. On n'a pas le droit à un deuxième appel en cas où. Non, les trois autres sont du lait de vache. Ah. Et 48 000. Plus de joker, maintenant c'est tout bénef. Il n'y a plus de joker du tout. On peut plus appeler personne, là? Non. On est à poil, en gros, c'est ça qui me dit. Huitième question. Ça va, regarde. 72 000 euros. Qui a créé Caruso? Qui a travaillé au scénario du célèbre film Paris brûle-t-il de René Clément? On arrête. Francis Ford Coppola. Stanley Kubrick. Alfred Hitchcock. Clint Eastwood. L'un des quatre
a travaillé au scénario du célèbre film Paris brûle-t-il de René Clément, sans doute pour l'armée américaine. Hein. Eastwood, à l'époque, il était que comédien. On est d'accord. Il devait être gamin. Puis il était gamin. Il Coppola, était gamin. À mon avis, pareil. Pas sûr. Oh, Francis Ford Coppola... De toute façon, vous allez répondre. Il n'y a pas de risque puisque vous conservez à ce niveau-là les 48 000 euros. Ah bon, ah, vous pouvez répondre. Ça va jouer. Ça, j'expliquerai. Je t'enverrai la règle à la maison. Ah d'accord. À 48 000, c'est tout bénef. Tout bénef. Oh, ça alors ça va. Moi, je dis Hitchcock. Hitchcock ou... René Clément... Kubrick. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Que dit ton instinct? Bah, j'ai l'impression que tout ça est assez âgé. Ouais. Et si je prenais le plus vieux, ce serait Hitchcock. J'hésite entre Hitchcock et Kubrick. Stanley. Allez, entre Alfred moi, et Stanley. Bien, on choisit Hitchcock. Okay. Hitchcock, on y va? À l'ancienne? Je sais pas, je regarde... Les oiseaux... Ah, moi, je connais pas la réponse. Ah, moi non plus. Après, ça tombe bien. Ça tombe super bien. Donc, les oiseaux d'Hitchcock... Ou Kubrick. Ou même Coppola, je dirais. C'est bien, ça t'aide pas... Allez, au hasard. Bon, allez, prends Kubrick, pour rigoler. On dit Kubrick pour rigoler. Ouais, c'était un petit jeune. Allez, hein? Kubrick. Kubrick. C'est votre dernier mot. Ouais. Par défaut, mais... C'est fait. Moi, oh, je sens un espèce de gong sinistre. Allez, au revoir. Salut. 1966, pour être précis. Oui. Oula. La libération de Paris. C'est Hitchcock, tu vois. Et il y a un petit jeune qui a travaillé au scénario du film de René Clément, Paris brûle-t-il. Il s'appelle Coppola. Écoute, Francis hein. Ford Coppola a travaillé, en effet, au scénario de Paris brûle-t-il. Mais vous n'avez pas démérité, les amis. On a essayé. Hein. Puisque pour Ella, vous offrez un chèque magnifique qui apportera un peu de ciel bleu de 48 000 euros. Merci beaucoup. Salut, les amis. Merci beaucoup. Ça va ? Ça va pas été trop long. Accueillons tout de suite Isabelle Mergaud et Chantal Latsou. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Quel plaisir de vous accueillir toutes les deux. C'est vrai, vous avez de la chance, deux bombes comme ça. Hein. Et deux bombes, c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est vrai que je mesure mon bonheur. Vous mesurez votre bonheur. Je suis très, très heureux. On va essayer de rester le plus longtemps ensemble possible. Merci beaucoup. Le plus longtemps possible pour atteindre des sommes folles, tout ça, pour oui. L'association est là. Pourquoi avoir dit oui? Bah, si ça touche, c'est bien de faire connaître une maladie orpheline comme ça. Bien si sûr. Ça touche les enfants, on ne peut pas dire non. Mais non, franchement. Non, c'est non mais bon, il faut venir, il faut répondre aux questions. C'est vrai. Mais on partira d'ici avec 1 million en poche. Ah. Enfin, pas nous, pour l'association. Ah, ben voilà, parce que je commençais à être inquiet. Avant de vous présenter la pyramide, je précise que nous allons vous retrouver au Théâtre des Variétés, très vite, dans une pièce que vous avez écrite. Adieu, je reste. Ouais. Ça veut dire bah, adieu, je reste. Eh ben, ça veut tout dire, c'est presque philosophique. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais même si c'est philosophique, je peux, moi, y aller. Je ne suis pas sûr. Donc, ce devrait être très triste, vous l'avez compris, en tout cas, ne pas engendrer la mélancolie. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Attention. Une première question à 800 Attention. Euros, un premier palier à 1500, ça grimpe 48 000, ça va tellement vite qu'on est déjà au million. Trois jokers, 12 000. Le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. D'accord. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant. D'accord, le allez. Principe est super simple. Je pose des questions, vous et répondez répond. Aux questions. On est chaude. Je signe un chèque, enfin... Enfin, je veux dire, on est prête. Vous êtes prête, hein, parce que ça va... TF1 signe un chèque pour Ella, et tout va bien. Ouais. Voici Isabelle Mergaud et Chantal Latsou qui jouent pour vous, pour Ella, à qui veut gagner des millions. Première question. Tais-toi, concentre-toi. Oui. Au restaurant, on reconnaît facilement l'écrevisse à la nage, car elle porte un maillot, car elle baigne dans un bouillon, car elle a les jambes épilées, car elle adore Philippe Lucas. Et puis, c'est tout. Bon, là, je pense qu'on ne prend pas de risque en vous disant
La réponse B. Je suis avec toi. Non, mais dis, c'est notre dernier mot de Jean-Pierre. Pas dernier... encore. Non, le dernier mot, on dira tout à l'heure. Donnez-nous la réponse, quoi. Baigne dans un bouillon. B. Baigne dans un bouillon. Je note une véritable complémentarité entre vous. Hein, c'est vrai. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui, tout à l'heure. Ah, oh merde. Bah, attends, écoute, j'attends Jean-Pierre. Je suis désolé, vous n'avez pas compris la règle, vous avez perdu. Au revoir, mademoiselle. Ah, moi, je reste. Mais non, c'est bon, allez, 800 euros, pas de problème. Qu'est-ce qu'on dit, c'est mon dernier mot. On va trop ce qu'on veut, on parle vite. D'accord. On dit, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, si vous voulez, uniquement après le premier palier. Elle comprend pas tout. Oui, c'est pas facile. C'est ça le problème. Hein. Premier palier maintenant avec cette question. Sur sa carte d'identité, un homme est identifié par la lettre M, qui signifie masculin, macho, maniaque, merveilleux. En même temps, tout est vrai. Macho, oh ouais. Non. Merveilleux, moyen. Oui, ça, merveilleux, c'est, ouais. Merveilleux, c'est sur ma carte d'identité. Oui. C'est vrai, Jean-Pierre. C'est vrai, Jean-Pierre. On dirait du Jouvet, dis donc. Ah oui. Alors, on va dire masculin. Oh, je pense qu'on prend pas de risque. Et maintenant, tu vas dire, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah. On remonte un petit peu ça. D'accord. Oui, elle a tendance à... C'est tellement lourd. Qu'à la fin, elle va partir. Forcément, forcément. Alors, oui. Nous allons dire A, et oui. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Excellent, très bon. C'est bien, non? Ah, c'est très bien, vous avez fait, pour franchement. Pour l'instant, hein, on n'a pas utilisé d'autres jokers. Vous m'épatez parce que c'était des questions difficiles. Ouais, pas facile. Ouais, ouais. Troisième question pour 3000 euros. Du côté de chez Swann est à la fois le titre d'une chanson de Dev, mais surtout, on va dire, d'un roman de Simone de Beauvoir, d'André Malraux, de Marguerite Duras ou de Marcel Proust. Chantez-moi la version de Dev déjà pour voir. Trois. Du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donne du rendez-vous. Je pardonnez-moi, je regrette de vous avoir demandé de chanter. Alors, gâchez l'ambiance. Hein. C'est un très beau roman de Marcel Proust. Et c'est mon... Alors, réponse D. Faut tout bien faire, il comprend rien du tout. Alors, non, mais il a raison, faut tout bien faire, alors, c'est un concours. Réponse D. Marcel Proust, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est tellement mieux quand c'est bien dit. Il faut savoir lui parler à Jean-Pierre. Du côté de chez soi, revoir mon premier amour qui me donne rendez-vous sous le chêne et se laissait embrasser dans le cou. Je ne voudrais pas refaire. On va enlever les piles. Non, enlever les piles, faut oui. Faut pas me demander, parce qu'elle a des piles neuves. Du côté de chez Swann de Marcel Proust, bien sûr, bonne réponse. 3000 euros. À la recherche du temps perdu, c'est le premier volume. Ça, c'est bien. C'est pas mal, quand même. Pas mal. Il y en a qui n'arrivent pas à 3000, je veux le dire. Ah non, mais exactement. Quatrième question pour le double de la somme, 6000 euros. Combien a-t-on d'arrière-arrière-grands-parents sur son arbre généalogique? Arrière-arrière-grands-parents. 8, 16, 24, 32. Alors attends, arrière-grands-parents, c'est des deux côtés. Hein. Alors, ça fait deux et deux. Attends, il y a grand-père. Là, pardonnez-moi, là, c'est arrière-arrière. Oui. Attendez, là, on y va par étapes. D'accord, ça non, va. Mais oh. Vous mêlez pas de notre réflexion, quand même. Non, arrière-grands-parents, on l'oublie. Non, arrière, oui, mais je te fais la généalogie. C'est impossible à prononcer. Il y a grands-parents. Je le dis pas, alors. Arrière. Grands-parents. Arrière, ça fait 2 et 2, ça fait 4. Et arrière-arrière, ça fait 2 et 2, ça fait 8. Oui, moi, des deux côtés. Eh bien, arrière-grands-parents, arrière, 2 d'un côté, 2 de l'autre, et 2 d'un côté, et 2 de l'autre. Attends, j'ai pas tout bien rangé, là. Attends, deux secondes.
non, pas, c'est plus que 8. Ah bon? Ouais. Tu veux un joker? Ah. Ah. Ouais. On a combien de grands-parents, d'abord? Eh ben, on en a 4. Oui, bon. On en a 4. Donc, arrière... Arrière, on en a 8. Mais... Calculer. Bah, attendez, bah, nous répondez pas comme ça, parce que sinon, on va pleurer. On en a 4, attends. Vous allez laisser toute notre réflexion comme ça, ça va passer en intégralité. Ça va passer en intégralité pour voir que, finalement, vous êtes des femmes de réflexion. Oui, d'accord. Alors, on en a 4. Combien a-t-on d'arrière-arrière? Il faut 4. Bien lire la question. Combien a-t-on d'arrière-arrière-grands-parents sur son âme généalogique? On a 4 grands-parents. 4 arrière. Arrêtez de me regarder avec des yeux lancinants. Vous n'aviez qu'à pas m'insulter tout à l'heure. Je ne dirai rien. Vous êtes tellement séduisant. Ah, ça change tout. C'est bien. C'est pour l'association, Jean-Pierre. Tu dirais pas 16, toi, plutôt? Peut-être. Je ne sais plus, je ne sais plus. Attends, qui on peut appeler? Il n'y a pas de Kiki. On va... Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas le... Ah non. Non, le 50-50, on va être... C'est-à-dire que si on demande un joker maintenant, oui. Est-ce que ça nous pénalise, Jean-Pierre? Non, non. Ça peut vous éclairer. Bien sûr. Ça peut certes vous pénaliser, mais ça peut surtout vous éclairer. Si tu es d'accord, ouais. Si tu es disponible. Qu'est-ce qu'on... On demande quoi? On demande... on fait l'appel à un ami, le 50-50? Allez. L'appel à un ami, il faut qu'il puisse... Il ait le temps de réfléchir. Ah, ouais. Non, c'est, on peut plus demander au public. Il a trop participé à notre raisonnement foireux. Voilà. Tu le vois. Public est... Non, il a fait... Non, on est désolé. On a confiance en vous, mais... Savoir, on a confiance en vous. Mais vous avez trop participé à notre raisonnement. On vous a perdu. Non, moi je 16, mais bon. Je pense que vous êtes parti trop fort, vous avez tout donné sur les 3 premières questions. On a tout donné, oui. Et là, oui. Vous êtes crevé. Ouais, oui. Écoutez, c'est vous allez nous donner le 50-50, d'accord? D'accord, mais sur un autre temps, s'il vous plaît. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, 50-50? Ça veut dire... Mais oui, mais sinon, on va me demander de lui enlever cette... Est-ce que c'est la robe qui tombe ou les seins qui poussent? Parce que je comprends pas. Non, c'est votre micro qui est trop lourd que vous nous mettez. Ah, d'accord. Alors? Ordinateur, voulez-vous? C'est demandé. Hein. Ah, ça y est. Ah bah. Alors, on appelle qui? Rien, personne. Ah bon? 50-50. Je comprends pas bien, là, 50-50, rappelez-moi. Je veux rentrer à la maison. Alors, vous avez demandé le 50-50, nous allons retirer 2 mauvaises réponses. Je te dis que c'est le 16, moi. S'ils enlèvent... Alors, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 24. Vous me dites. Oh, j'ai mal au ventre. C'est-à-dire qu'on a 50% des points si on... Non, vous ne cassez pas la tête. Répondez à la question. 16 ou 32? Une fois que c'est parti, c'est peut-être le 32, finalement, non? Moi, personnellement, je dirais 16. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous... C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, je... 16. Ah, tu sais, alors ça, c'est comme l'épilation, c'est d'un coup, tu vois. Faut, bon, ça fait moins mal et on y va, voilà. Et c'est 16, et c'est 16. Ah. Moi, au départ, j'étais pour les comédiennes, mais plutôt des artistes dramatiques. Celles qui... Non, mais des gens du français qui ont une certaine culture. Vous ce que je veux dire. Vous vous seriez fait chier, ça, non? Ah, oui. Oui. 16. Oh, mon Dieu. Moi, j'avais Non, mais vous disiez 32, Isabelle. Moi, Chantal. Chantal, oui. Non, j'avais dit 16. La blonde, c'est Chantal, l'intellectuel, c'est moi, d'accord? Ah, non, c'est j'ai fait 16. Et je crois qu'on a gagné, attends, c'est ça le problème. Eh bien, c'est trop la honte, hein. La réponse, c'est trop la honte. La réponse, c'est... 16. Bravo! Oh non, je ne crois pas ce que je viens de voir. Je ne crois pas ce qu'elle vient de voir. Elles ont mis 45 minutes et Isabelle fait « Ouais !» Comme si... Non, mais attends, heureusement, j'étais là quand même. Eh ben oui. mais franchement... 4 grands-parents, avec chacun 2 parents, un papa et une maman. 8 arrière-grands-parents qui ont chacun 2 parents, ça fait 16 arrière-grands-parents. Oh, tata, il nous dit ça, il a la réponse là, moi aussi. Vous n'avez plus de le dire. Mais non, j'ai pas la réponse du tout. Donnez-moi vos fiches et puis. J'ai pas de fiches, madame, regardez, rien dans les mains. Au lieu de nous faire patienter comme ça. Eh bien. Enfin, on a gagné 6 000 euros quand même. Non sans mal. Oui, mais bon, c'est pas grave. T'as vu le mépris? On va pas se laisser parler comme ça. T'as vu le mépris? Tu te démerdes avec lui. Ouais. Voici la question
qui vaut 12 000 euros. Il n'y croit pas du tout. Alors là, on a pas pris le joker du tout. Il croit pas du tout qu'on va partir avec 1 million. Comment sans joker? Eh bien, on n'a rien pris encore. On est vierge. Mais on n'est pas vierge du tout. Regarde, on a pris le 50. D'abord, vous n'êtes pas vierge. Et deuxièmement... Non, mais je parle pour l'émission. Bien sûr. Vous avez pris déjà le 50-50. Mais oui, c'est ça, le joker. Il y en a trois, le joker. Non, mais je croyais qu'il y avait des gens qui attendaient au téléphone. Eh bien, c'est ton joker téléphone. Ou alors, c'est le joker... Je croyais qu'on l'entendait sur le plateau, me semblait ma souvenance, non? Bon, ça fait rien, continuez. Qui peut présider le Conseil des ministres? Fantaisiste. Qui peut présider le Conseil des ministres à la place du président de la République? Ouais, je le sais, ça. Tu sais? Le président du Sénat, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre... ou le ministre des Finances? Non. Alors là, elle a l'air sûre, faut en profiter. Non. Mais... je suis toujours un petit peu sceptique. T'es une vraie sceptique ou une fausse sceptique? Vous pouvez voilà, lâcher le micro parce que je pense qu'il ne partira pas. D'accord. Oui. J'ai toujours peur que les choses se barrent, vous voyez. Bien sûr. Ouais. Alors, qui peut présider le Conseil des ministres à la place du président? Le président du Sénat, le ministre de l'Intérieur, le premier ministre et le ministre des Finances. Quelle est votre idée, vous? Le premier ministre, peut-être. Oh, bon, non. Alors, tu sais, non. C'est ça qui est fatigant chez non, toi. Non. Parce que... je me suis trompée de ligne. C'est pas celui-là. Le Sénat, c'est autre chose. Le premier ministre qui remplace le président de la République au cas où il serait parti sur son bateau, par exemple, tu vois. Il y a une certaine continuité dans vos réflexions. Hein, de... Ah bon, moi, je réfléchis même pas, je sais pas. Ah bon. Bon, alors, je peux pas faire semblant de deviner, je sais pas. Alors, si ça vous... peut pas être le ministre des Finances. Alors, est-ce qu'on écoute Chantal, puisque tout à l'heure, on a écouté Isabelle? Est-ce que vous pensez que c'est mieux d'écouter Chantal cette fois-ci? Je ne sais pas, je vous pose la question. Dites-moi, tu dis Premier ministre. Mais tout à l'heure, tu disais président du Sénat, non, tu ne sais rien. Non, je ne sais rien. Si, c'est pas ça. Sinon, je t'ai dit, je ne sais rien. Je sais que tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu changes ta vie. Je sais que je ne sais rien. Déjà, c'est énorme. On dit le Premier ministre, c'est énorme. Voilà. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que vous pensez que ça peut être mon dernier mot? Alors, tu sens que c'est ça? Non. Mais fais-toi confiance. Bah, dis-moi, qu'est-ce que tu dirais? Ah, moi, je dirais... Moi, je dirais que j'aimerais bien rentrer chez moi, faire des sudoku ou... Tu vois, que là... Mais moi, je pense qu'il faut que tu tentes. Allez, tentez. Ton Premier ministre. Allez, Premier ministre. Et puis, gardons-nous... C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Moi, qu'il est beau comme ça, finalement. Ça lui donne un air un peu mystérieux. C'est vrai, inaccessible. Ouais, inaccessible. Intouchable. Insaisissable. Mystérieux. J'essaye de me le mettre dans la poche pour ne pas utiliser trop de jokers. Selon l'article 21 de la Constitution, mais ça, vous le saviez. Non. Oui, allez-y. À titre exceptionnel et pour un ordre du jour déterminé, il peut prendre la place du président de la République au Conseil, c'est le Premier ministre. Ah, bravo. Ah, finalement, je sais des trucs. Chantal, vous m'épatez. Ben, je sais. On ne croirait pas comme ça. Parce que tout à l'heure, c'était Isabelle, là, maintenant, c'est vous. On est une bonne équipe. Une vraie complémentarité, vous êtes très, très fort. On est à 12 000, t'imagines? C'est pas mal tout ça. On va s'arrêter un petit instant, si vous êtes d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord. Isabelle et Chantal. Retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions au profit de l'association ELA. Nous allons continuer dans... la culture, le savoir, l'innocence, le rire, avec Isabelle Mergot et Chantal Latsou. Voici la question. Dans Basic Instinct, Sharon Stone incarne une grande avocate, une excellente détective, une brillante journaliste, une talentueuse romancière. Ça, non. Vous avez vu le film, toutes les deux. Il n'y a qu'une scène qui marque. Il n'y a qu'une scène qui marque, surtout pour les messieurs. Voilà.
C'est pas la romancière. Je crois que c'est avocate. Alors, je me permets de vous rappeler, mademoiselle, qu'il vous reste deux jokers, car comme le disait justement Chantal tout à l'heure, vous en avez déjà utilisé un. Il vous reste... On l'a appelé, forcément. Mais c'est un joker, ça fait partie des jokers, on en a trois jokers. On l'a appelé, mais... Non, celui qu'on a... Parce que moi, j'ai un ami qui déchire au trivial. Qui est mon joker, donc à mon avis... Donc, il vous reste le coup de fil à un ami, si tant est que vous ayez des amis. On n'en a plus du tout. Et le public. Alors... Mais le public... Ah oui, si, le public. Ah oui. On a le public. Là, vous ne pouvez pas utiliser l'argument tout à l'heure, parce que vous n'avez rien dit. On a dit un peu. On a dit un peu, moi, je l'ai dit que c'était certainement pas romancière. Ah. Voilà. C'est avocate ou journaliste. Ah oui, mais ne dis rien, son grand-père. Non. J'ai rien dit. Alors, comment on fait? Attendez, c'est moi qui m'en occupe. Vous prenez le public, alors. Oui, je prends le public. Public à mon télécommande, c'est parti, attention. Voici la question dans Basic Instinct. Sharon Stone est une... A, grande avocate. B, excellente détective. C, brillante journaliste. D, talentueuse romancière. Uniquement si vous savez, c'est pour l'association. Et là, vous votez maintenant, bonne chance. Ils sont 31% à dire une talentueuse romancière, 29% une grande avocate, 23% ils ne savent pas quoi, voilà. C'est clair. Il fallait nous le dire avant quand même, vous êtes gonflés. Non, mais ils doivent savoir, à mon avis. Moi, j'appellerai un ami. Attention, parce que... Ah, on peut encore appeler un ami? Bien sûr. Ah, bah, pour un ami. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez? Oui. Alors, 29 ou 31, c'est proche. Appelle un ami. Un ami qui soit cinéphile. C'est avocat. Bon. Un ami. Ah, moi, j'ai pas... Non, elle n'est pas cinéphile. Il est cinéphile, toi, ton copain? Peut-être. Qui voulez-vous appeler, alors? Marc. Qui est Marc? Marc Guérin, qui déchire au trivial et qui est un ami. Il déchire au trivial. Ouais. Appelons donc Marc. Appelons Marc. Très bien. Oh, mais on n'a pas d'année finalement. Allô? Marc? Oui? Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Marc, je vous dérange. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis avec Isabelle Mergaux et Chantal Latsou. On a besoin de vous pour 24 000 euros. Ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup. D'autant que c'est pour une grande et noble cause. L'association est là. Je vais vous laisser avec Chantal, puisque c'est votre amie, qui va vous lire la question. Vous n'aurez que quelques secondes pour proposer une réponse, d'accord? D'accord. Vous êtes doué en cinéma? Je ne sais pas. On va essayer, on va voir. Attention, voici la question. Allez-y. Dans Basic Instinct. Bonjour, Sharon Stone incarne une grande avocate, une brillante journaliste, une excellente détective ou une talentueuse romancière? Répète-moi la question, Chantal. Dans Basic Instinct, Sharon Stone elle incarne est avocate? Avocate, journaliste, détective ou romancière? Romancière. Oh la sûr du coup? Oui, sûr. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie, j'espère que j'ai participé pour les 24 000 euros. Merci beaucoup, Marc. Vous avez du mérite, parce que déjà, comprendre la question, c'est pas... C'est ça, Jean-Pierre. Non, mais c'est... Moi qui articule si bien, la vie. Eh ben, c'est ça. Hein, alors, c'est... Il dit romancière comme les 31%, ouais. Remarquez. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je l'avais dit, elle est tout sauf romancière. C'est pour ça. C'est... Alors, je crois qu'on va suivre tout le monde, oui. Non? Oui. Il avait l'air si sûr de lui, ce Marc. C'est vrai. Vous me dites. Je pense... Allez, vas-y. C'est ton ami. C'est ton ami. Alors, je pense que je vais suivre mon ami. C'est votre dernier mot? Et je ne lui parlerai plus si c'est pas ça. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Elle s'appelle Catherine Tramel dans le film Sharon Stone. Et c'est une talentueuse romancière. Auteur de polar. C'est super, elle est dedans, déchire, non? Bien joué. Oui, on joue pas mal. Ouais, on n'a plus de joker, hein. C'est fini. T'as pas d'amis, en plus. Oui, ça, t'as raison. Alors, 24 000 euros, vous pourrez tout à l'heure arrêter à cette somme si vous pensez que
ne pas avoir la réponse à la question que voici, qui est celle du second palier. La voici, 48 000. À bord de la... Ah ben en plus, c'est pile dans votre domaine de compétences. Ah, je sais ces trucs-là. À bord de la Station Spatiale Internationale, pour rester en forme, les astronautes font du vélo, du rameur, des haltères ou de la corde à sauter. Impossible. C'est vélo ou rameur. Bah, tu sais, ils peuvent faire de la corde à sauter aussi. Hein. Alors, je me permets de vous rappeler que si vous répondez à côté, vous retombez à 1500. Oh, putain. Donc, sais, il faut que vous soyez certaine de la réponse. Sinon, vous me dites, on arrête là à 24 000 euros. T'as pas d'idée, hein? Bah, c'est-à-dire que la corde à sauter, je sais que dans l'espace, on refait de l'os si on tape comme ça. Parce qu'on tape par terre. Et c'est très bon pour que l'os se reforme, forme. C'est un truc que j'avais entendu. Donc peut-être font-ils de la corde à sauter. On veut-tu avec la pesanteur? Mais ça doit être dur avec la pesanteur. Non, au moins sautent. Les haltères. Bah, ils sautent, mais ils peuvent pas. Non, ils ont besoin d'être ancrés, soit avec un vélo, comme le vélo d'appartement, mais moi, je ferais plus le rameur. Les haltères, ils vont se le foutre sur la tronche parce que, tu vois... Non, mais bon, on peut je pas... Je ne sais pas, Jean-Pierre. On peut pas, ou on peut pas... Je te laisse la primeur. Si c'est ça, ne prenez pas de risque. Arrêtez à 24 000. Eh ben alors... Ah oui, il faut vous écouter, m'a-t-on dit. Non, mais il faut m'écouter, non mais... C'est pas moi qui parle, c'est la raison. Là, tu vois, là... Parce que là, on n'a plus de joker et tout. Là, non. Alors là, je vous félicite. On n'a plus de joker du tout. Le public non plus, rien. Rien. On va laisser à 24 000 euros. C'est une belle somme, hein. Bah oui. C'est pas mal, non? Ah oui. Bah, c'est... Parce qu'on risque d'en descendre à 1005. Pour nous, c'est bien, déjà. Oui, on peut se partager. Oui. Bon, alors écoutez. Oui. Moi, j'aurais dit du rameur, mais nous allons laisser là. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce que vous arrêtez? Oui, on arrête, Jean-Pierre. Eh bien, bravo, c'est très raisonnable. 24 000 euros pour l'association ELA. Grâce à vous, Isabelle, et à vous, Chantal. Et je vais vous donner la réponse. Il faut en faire 2 heures par jour dans cette station spatiale internationale. Il s'agit du vélo, bien entendu. Oh. La corde à sauter, c'est impossible en apesanteur. Comment vous faites? Ah bon? Moi, je me débrouille. En tout cas, merci mille fois. On a passé un excellent moment grâce à vous. Et vous avez été généreuse puisque vous offrez 24 000 euros à l'association ELA. À bientôt. Merci. Au revoir, Chantal. Au revoir, Isabelle. Merci. Au revoir, Chantal. J'accueille tout de suite Cyril Hanouna et Élodie Gossuin. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Bacboubin, comment ça va? On se kiffe. Sans gêne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah ça va, tranquille. Non, mais j'étais pas au courant. Alors, ça s'est fait cet été. Oui. J'étais tranquillement sur un catamaran. Là, j'ai vu quelqu'un se noyer. J'ai dit, tiens, il faut que j'y aille. Normal. Comme il m'a sauvé la vie, je suis très reconnaissante. Je reste avec lui. Et c'est la première fois qu'elle a pêché un thon directement dans l'eau. C'était moi. Le thon est venu à elle. C'est ça qui est beau. À l'exclu du soir. Super. Ouais, c'est sympa, ouais, c'est important. Cher Cyril, moi aussi, je suis content de vous voir tous les deux, puisque nous avons un passé commun. Mon cher Cyril, nous avons un passé commun. Cher Élodie. Ah, vous aussi, vous l'avez pécho? Eh oui. Et oui. Moi et Jean-Pierre Foucault, c'est une grande histoire d'amour. C'est beau. Non, mais c'est bien, c'est important. Sauf qu'il y a du boulot, et ouais. C'est qu'il faut répondre aux questions, il faut que vous étaliez votre culture. Mm-hmm. Ça va être très vite étalé. Si vous êtes venu ce soir sur TF1 pour voir notre culture, ça va aller très vite, vous allez vous coucher très tôt. Non, on va donner le meilleur de nous-mêmes quand même. Parlons argent, ça devrait vous intéresser. Voici donc la pyramide. On m'a jamais parlé comme ça. Première question à 800 euros, un palier à 1500, un autre à 48 000. Et bien sûr, vous êtes là pour ça.
Et je ne doute pas que vous y arriverez. Le million. Trois jokers 50-50. Coup de fil à un ami. Vote du public. Ok. Je vais vous dire, nous aujourd'hui déjà, vous pouvez enlever la peine à un ami. Car vous n'avez... C'est ça. Pas moi, il me reste plus que le public, Jean-Pierre. Et quel public ? Ben voilà. Merci. Est-ce que vous vous souvenez quand on était amis, tous les deux ? Ouais, bah bien sûr. On était comme ça, tous les deux. Ouais. Et puis... Voilà. Et puis on... Que s'est-il passé ? Une femme entre nous deux. C'est moi, voilà. Pardon. Non. Sinon, on peut pas faire un appel à un mec à qui on doit de l'oseille ? Non. Non, c'est pas possible. Voici Cyril Hanouna et Élodie Gossuin qui jouent pour l'association Ella à qui veut gagner des millions. Première question. Kim Basinger et Mickey Rourke entretiennent une relation torride dans Les Trois Jours du Condor, 58 minutes pour vivre, 9 semaines et demie, l'amour dure 3 ans. Alors, je sais que c'est pas les trois jours du Condor. Non. Parce que je connais un petit peu la sexualité du Condor, ça ne dure pas trois jours. C'est 9 semaines et demie. Ouais, hein. Il me semble aussi. C'est vrai qu'elle a quelque chose de Kim Basinger, elle. Un peu, hein. Merci, ouais. Très beau compliment. Moi, j'ai quelque chose de Mickey aussi. Mais rien de Rourke, rien de Rourke. J'ai rien, j'ai tout pris de Mickey, moi, j'ai rien de Rourke. Non. Ce qui te rend très mignon et affectueux aussi. Allez. Me kiffe. Alors, vous nous dites... Là, c'est Élodie. Oui, c'est bon. Bah, c'est pas la... Ça va. 9 semaines et demie, c'est la bonne réponse, ouais, évidemment. Bravo. 800 euros. Très bien. Cyril, Élodie, deuxième question pour 1500 euros, le premier panier. Comme ça, vous serez tranquille. La couleur vive de la grenouille rouge signale au prédateur qu'elle est très timide. Mais alors, très, très timide. Ou alors supportrice du PSG. Ça. Et pourquoi pas ? Marseillais, bon d'accord. C'est ça. Communiste, oui, ou vénéneuse. La couleur vive de la grenouille rouge. Alors, oui. Jean-Pierre, on ne connaissait pas du tout la réponse. Je pense que c'est pareil pour Élodie. Oui. Mais vu les trois autres réponses A, B, C, je pense qu'on va dire la D. Mm-hmm. Mais j'ai vu des grenouilles supportrices du PSG. On n'en sait rien. Mais elles ont vite pris l'eau, mais bon, c'est pas grave. Je dis ça pour vous, c'était pour... C'est gentil. Bah, c'était parce que, voilà. Non, mais ça va, vous avez... Ça va, l'OM ? Ça va. Je vous en pose des questions. Ah, ben oui. Non, c'est bon. Moi, je pose des questions. Et vas-y, Élodie, c'est vénéneuse, hein. Oui, la réponse D. Eh bien, c'est une excellente réponse, évidemment. Bravo. 1500. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Cyril. Salut. Ça me fait très plaisir. C'est mieux que rien. 1500 euros. Je peux te laisser ma carte ? Oui. Tu m'appelles dans la semaine, vraiment, hein. Volontiers. Mais merci. On peut peut-être tenter un peu plus quand même. Écoute, moi, déjà, on a fait 1500. C'est 3000, ce serait bien. C'est énorme, énorme. C'est vrai. Parce que sur le papier, moi, je ne vous donnais pas gagnant à 1500. Ah oui, mais je voulais... Merci pour cette confiance, Jean-Pierre. Ça non, mais je plaisir. Parle de Cyril. Ça n'a rien à voir avec toi. Bah, je croyais qu'on était un couple. Oui, soudain, non, pardon. Mais Jean-Pierre, 1500, c'est vrai que déjà, c'est une belle somme. Je suis venu 4 fois. Oui. J'ai fait 2 fois 1500, 2 fois 100 000. C'est vrai ? Ouais. Autant vous dire, je suis capable du meilleur comme du pire. Ouais. Et ça, on le savait. Est-ce que vous sentez aujourd'hui plutôt le pire ou plutôt le meilleur ? Écoutez, Jean-Pierre, je peux pas me... On va poser la troisième question, je vous dirai après. Est-ce que ça va beaucoup plus vite qu'avant ? La troisième question. Combien y a-t-il de pièces différentes en euros ? 6, 7, 8, 9. Ah ouais, là. Alors, comptez. Alors. 1 centime, 2 centimes. 1 cent. 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50, 1 euro, 2 euros. C'est tout. Il n'y a pas la 5 euros qui est arrivée. Je ne sais pas si on la prend ou pas. Non, mais après, ils l'ont basé. Ils l'ont mise. Pas de pièces. Non, 2 euros, moi. Je... Non, tu 1 centime. Il hein. y a les pièces de 1 centime, de 2, 5, 10, 20, 50. 50, 1 euro, 2 euro, euros. 2 euros. Bon, donc comme 8. Ça, a priori, on dit 8. On dit 8. C'est votre dernier mot ? Oui. 8. Oh ! Là, c'est. Il n'y a pas de réponse 8. C'est le 8. Il y a bien 1 et 2 centimes, il n'y a pas de 5. Elle prend l'accent tunisien quand elle dit le centime. Centime. Elle fait quand même 1 et 2 centimes. 1 et 2 centimes. Non, mais je fais confiance à Élodie, c'est une femme d'argent. Il y a... Merci. 8 pièces, excellente réponse. Voilà. Bravo. Non, mais bravo. C'était traître.
rester traître. Non, mais c'est incroyable, c'est qu'on a le doute pour tout ici. Quoi. Le stress, c'est terrible. Moi, j'ai pas le doute en ce qui nous concerne. C'est vrai, moi non plus. Quatrième question pour 6 000 euros, Cyril Elodie. Si vous recevez un végétalien à dîner... Je les reçois pas, moi, je m'entends pas du tout avec lui. Moi, je suis une grande carnivore, non. C'est compliqué. Sachez qu'il ne mangera pas de ketchup, mayonnaise, harissa, moutarde de Dijon. Mayonnaise. Le végétalien. Moi, j'aurais dit mayonnaise aussi avec les œufs. Ouais. C'est mayonnaise parce qu'il y a de l'œuf uniquement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des végétaliens aussi. Comment ? Qui n'aiment pas l'harissa. Hein. Oui, ça, c'est sûr, certainement. J'en ai vu qui... Mais... La composition de l'harissa. L'harissa ? Bah, il y a de l'harissa, c'est... Il y a beaucoup d'harissa. Dans l'harissa, c'est de l'harissa. Non, mais moutarde... Ah, il y a piment, non. C'est, non, c'est mayonnaise, moutarde, c'est ketchup, l'œuf. Tomate, c'est l'œuf, il mange pas d'œuf. C'est un végétalien. Le végétalien ne mange pas d'œuf, mayonnaise, réponse J'ai sorti B. Sorti 2 ans avec un végétalien à son entourage. Ouais. Et ça donne quoi ? C'est un spécimen. Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc moi, je me dis mayonnaise aussi, mayonnaise. Je suis comme Mélodie. Mais moutarde, c'est... Moutarde, c'est des grains de moutarde. C'est mayonnaise. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Bah, si, comment Est-ce que vous pensez que ça doit être notre dernier mot ? Je ne pense pas. Alors, quand il fait ça, c'est que tu commences à lui prendre la tête. Ouais, c'est... Je connais l'animal. Je suis là pour ça. Je connais la personne. Là, quand il touche ses manches comme ça, c'est... C'est un signe de stress. Lève le pied avec moi. Ok, pardon Jean-Pierre, je m'excuse. Je vous aime beaucoup. Jean-Pierre, c'est notre... C'est notre dernier mot. C'est pas mal le coup, tu le fais. Ah ouais, je trouve. En fait, on a été ensemble tous les matins pendant 5 ans. Nous. Ah ouais, je me réveillais avec vous. Quelle souffrance. Et moi, je dormais. Quel bonheur, pardon. C'est beaucoup de peine. Vous étiez très beau, même le matin. Au réveil. Oui. Les végétaliens ne mangent que des produits d'origine végétale et par conséquent, pas de jaune d'œuf, pas de mayonnaise. Bonne réponse. Bravo. Cool. Ça, pour l'instant, on est... Bon. Ah, là, c'est bien. Là, ça va commencer. Élodie Cyril, c'est parfait. 6 000 euros, c'est de la rigolade. Il reste combien de questions ? Quelques-unes. Il en reste 8 pour arriver au million. 8 ? À 48 000, bien sûr, je lancerai une chenille. Oui, bien sûr, normal. Bien entendu, c'est bien la règle. C'est la tradition. C'est la tradition, bien sûr. La On chenille l'honorera. De 48 000, ouais. Préparez-vous. Question à 12 000 euros. Huggy, le chien de Jean Dujardin dans The Artist. Quel chien ? C'est un Jack Russell, un King Charles, non. Un Basset Hound, un Bichon Maltais. Non. Je crois que c'est un Jack Russell. C'est un Jack Russell. T'es sûr ou pas ? Bah, moi, c'est ce que j'avais en tête. Je ne sais pas ce qu'est un Basset Hound. Non, un Basset Hound, c'est un basset qui se la c'est raconte. C'est un basset, quoi. Et un basset, c'est beaucoup plus gros qu'un Jack Russell. Non, c'est un Jack Russell. Bah, déjà, c'est pas un Bichon Maltais ni un Basset Hound. Un King Charles. Il a même lancé la mode des Jack Russell. Ouais. Ah, non, c'est... Bah, moi, j'aurais dit un Jack Russell aussi tout de suite, comme ça. Donc, a priori, on est plutôt sûr, non ? J'ai l'impression qu'Élodie prend beaucoup le dessus. Vous répondez à partir de quelle question, vous, Cyril ? Moi, on m'appelle... Il est soumis. Mais vous savez ce qui se passe ? Moi, d'habitude, dans ce jeu, on m'appelle que quand il y a une question à un million. C'est pour ça qu'on ne me voit jamais. Ah, d'accord. En fait, là, moi, je me casse là-bas. Je vous explique comment ça se passe. D'habitude, moi, je suis là. Non, mais viens, Cyril, j'ai tellement besoin de toi. Je suis là, comme ça. Reviens Les à la mecs, maison. Ils disent, appelez Aluna pour la question à un million d'euros. J'arrive comme le négociateur. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la question à 1 million d'euros. Asseyez-vous. Que se passe-t-il ? Oui. Là, j'arrive sur la question à 1 million, de fait. C'est là, bébé, je dois y retourner. Merci, mon chou. Les gars, j'y vais, j'ai une urgence sur les 12 coups de midi. Je reviens dans une minute. C'est un Jack Russell. Attends, il y a un problème, il y a une banqueroute sur la roue de la fortune, je me barre. Les mecs, c'est bon, j'arrive. Je suis en intervention sur tous les jeux de TF1, monsieur Foucault. Bien. Je n'ai pas que vous. J'ai compris, pardonnez-moi, merci. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. Ah bah oui, quel honneur. Je peux partir à tout moment. Très bien. Je suis aussi sur les experts, des fois, donc faites gaffe. Nous sommes très honorés de vous avoir, monsieur Hanouna. Vraiment. Mais Huggy est un Jack Russell. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. Monsieur Foucault. Si on perd là... La honte. Il a reçu, ce chien, le prix d'interprétation canine au premier collier d'or. C'est pas il n'importe quoi. Il a même ses empreintes, je crois, dans Il a ses empreintes sur Hollywood le Boulevard, seul animal. En effet. On l'a un peu aidé en lui tenant la papatte.
Et c'est un Jack Russell. Bonne réponse. 12 000, bien joué. C'est horrible, on doute de tout, quoi. Plus que deux questions et surtout deux réponses pour arriver aux 48 000 euros, Cyril. Voilà. On fait une petite pause, voilà, vous avez raison, Cyril, le temps pour vous de reprendre un peu vos esprits aux côtés d'Élodie. Avec Élodie Gosselin et Cyril Hanouna, voici donc une nouvelle question. Ah. En médecine douce, le réflexologue, le réflexologue agite essentiellement en massant vos pieds et vos mains, vos cuisses et vos mollets. Ça peut être bon aussi, hein. Vos genoux et vos coudes, vos hanches et votre dos. Le réflexologue. Nous dit, normalement, c'est la réflexologie plantaire, donc de la plante des pieds. Non, mais il n'y a pas que ça. Et il agit aussi sur les mains. Ouais, mais... Essentiellement. Ouais, agit mais... essentiellement en massant. Les réflexes, les réflexes ça peut être le genou et le coude aussi, mais... Mais c'est en médecine douce. C'est pas les réflexes anatomiques de la médecine générale. C'est vrai. C'est... Si tu pouvais baisser juste d'un ton avec moi, ça arrangerait tout le monde ici. Non, c'est vraiment, je te le demande comme un service, quoi. Si vous avez un petit doute, Cyril, vous prenez un... Moi, je pense que... Un 50-50. Hein. Si on a 12 000... Oui, ce serait dommage. Ouais, si je pense qu'il faut pas prendre de risques. Toi, t'es sûr de ton coup? Et pour moi, c'est avant tout d'ailleurs les pieds. T'es allé voir un réflexologue ou pas? J'ai déjà fait une séance de réflexologie plantaire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien que j'avais des petites douleurs. Non mais t'as demandé de te déshabiller. Bien sûr. Les pieds uniquement. C'était pas un réflexologue. Ça fait des années qu'il se fout de ta tronche. Je te le dis, et on va le retrouver le mec. Hein. C'est en massant, hein. C'est pas... C'est bon quoi. En massant, oui, on sait très bien, je connais l'animal aussi. Non, mais c'est pour enlever Toi, tu pouvais penser aux réflexes. Ouais, non, les autres réflexes. Non, non, mais attends. Sinon, on prend le public ou on prend le 55. Non, on a déjà trop donné notre avis. Pas le public, on a déjà fait part de notre conviction. Mais 50-50. 50-50, d'accord. 50-50, c'est bien. D'accord, très bien. Ordinateur, voulez-vous éclairer Cyril et Elodie? Retirez deux mauvaises réponses. Ah bah, ça rejoint un petit peu... Reste les pieds, les mains, les cuisses et les mollets. Alors, je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que on m'avait donné une dérogation, je reprends encore le 50-50. Sur les deux autres réponses, 50-50 encore, s'il vous plaît, envoyez. J'essaie de réfléchir deux secondes. Bon, moi j'ai envie de dire... Pieds et mains. Élodie, t'es sûre des pieds et mains? Oui. Et moi, avant même d'avoir les propositions, c'est... D'accord. Les pieds, je suis sûre, ça correspond à... Même tu peux traiter le dos par les pieds, je te jure. C'est la réflexologie. Ah oui? Non, mais c'est les pieds et les mains. Tu sais, il y a des gens qui disent beaucoup de conneries pour te toucher les pieds. On aurait même pas dû prendre le 50-50. Pieds, hein, Alors, qu'est-ce que vous faites, là? Mais réponse A, on n'aurait même pas dû prendre le 50-50. C'est le dernier mot. C'est le dernier mot, allez. Oh là là. Vous nous pressez, là. Nous presse pas, il a une émission à faire, il a d'autres choses à faire là. Oh. On est bien. C'est Jean-Pierre Foucault, c'est pas où? Tu crois que t'es où là? À la maison, quoi, je sais pas. Ça va là, oh. En médecine douce, le réflexologue agite essentiellement en massant vos cuisses et vos... Mais non, oh. Les pieds et les mains. Non, faut pas faire ça. Non, c'est pas sympa, ça. Non, Jean-Pierre. Franchement, Jean-Pierre, ça, c'est pas sympa, ça. Jean-Pierre, je... Non, je vous... Non. Je fais la tachycardie. Jean-Pierre, je vous ai donné ma vie pendant 5 ans. C'est pas sympa. Je suis pas bien. Comédien. Faut que je danse un peu, Jean-Pierre. Pour me détendre. C'est quoi? Mettez-moi le générique. Je suis danseur de générique. Merci beaucoup, Cyril. Magnifique. Vous avez... J'ai fait ça juste pour vous détendre. Je sais que vous aimez le corps humain. Il est comme ça, sans arrêt. Encore là, il est calme. Ah ouais. Derrière Voici aussi. La question qui vaut
48 000 euros. La quête de ces femmes célèbres est ici désignée par son nom de famille. Oula. Dorothée. Dorothée. Colette. Mireille. Arletty. L'une de ces femmes célèbres est ici désignée par son nom de famille. Dorothée, c'est pas non. Dorothée. Non, mais elle s'appelle Frédéric. Cole. Mireille. Mireille, c'est le conservatoire, non ? Ce petit chemin. C'est ça, ouais, c'est Mireille. Qui sent la noisette ? C'est probable, je n'en sais absolument rien. Non, moi, comme ça. Colette. Comme ça, je crois que c'est Colette. Je crois me souvenir que c'est Colette. Arletty. J'hésite entre. Mais on préfère pas le dire, non, peut-être qu'il faudrait. Peut-être à plein d'amis, non ? Pour être sûr. Si vous avez un ami. Il vous reste deux jokers, donc si vous avez un ami. Bah déjà, il faut déjà. Mais là, il faut atteindre le palier à 48 000, quitte à utiliser. Oui, bah tous les jokers là, sur cette question. Même si on doit utiliser 12, 13 jokers, on les utilisera. Oui. Moi, comme ça, le feeling, je dirais Colette. Mais le fait que tu l'aies dit, c'est un peu. Feeling, oui. Quoi? Enfin, c'est ce que je pensais, mais pour faire appel au public, vaut mieux pas en parler avant. C'est dommage de l'avoir dit, ça va les influencer quand même. Écoute, tu m'engueuleras à la maison. Hein? Ouais, mais je préfère te le dire maintenant, non, parce que je l'ai raison. Sur le cœur, ouais, donc je te le sors. Non, mais en plus, je pense que là, le public, c'est vrai qu'on les a trop influencés, là, t'as raison. Mais tu as un ami, toi, qui... Sur ce genre de questions... Ta carrière, non? Ah, on peut appeler Christophe Carrière. Ouais, Christophe Carrière. Ah. Christophe Carrière, c'est un garçon qui est plus dans la coiffure que dans le... un éminent journaliste. Oui, tu penses que c'est le plus approprié? Moi, je dirais Colette. C'est le plus à même de nous aider? C'est le plus à même de nous aider. On appelle Christophe, allez, si on vous l'appelle. Voulez. Allez, on appelle Christophe. Carrière. Surtout qu'on le connaît tous les deux. Oui. C'est quelqu'un que... On a côtoyé. Qu'on apprécie. Christophe Carrière. Allô? Christophe. Oui? Salut, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah, bonjour Jean-Pierre. Ça va, Christophe? Ça va bien, oui, ça va bien. Vous savez pourquoi, cher Christophe? Oh, Élodie était en carafe. Exactement. Élodie est en carafe. Et moi, t'en as rien à foutre, hein. Parce que Cyril est là aussi. Bravo, oh, bonne mentalité, pardon, bravo. Chef. Oh, pardon, chef. Non. Et oui, car c'est, vous êtes le subordonné de non, Cyril. Non, pas du tout, je suis son complément d'objet direct. Très bien. Son COD. Bien. Élodie, vas-y, tu prends la main. Voici la question, c'est parti. Christophe, laquelle de ces femmes célèbres est ici désignée par son nom de famille ? Dorothée, Colette, Mireille ou Arletty ? Tu peux répéter la question, là, laquelle de ces femmes ? Est désignée par son nom de famille ? Dorothée, Colette, Mireille ou Arletty ? Ça veut dire que ce prénom serait le nom de famille. Nom de famille. Son nom de famille. Oui, c'est ça. Vite, 10 secondes. Vite. Je dirais Colette, a priori, mais je suis largement pas sûr. C'est pas du cinéma, ça. Eh, la prochaine fois, si tu mets 30 secondes Colette, pour comprendre Colette. La question... Colette, Colette. Mais il a dit Colette, mais c'est même pas là. Il a mis 30 secondes pour comprendre la question. C'est quand même un monde, ce garçon. Ça va trop vite. Il a dit Colette, comme mais ça. Mais instinctivement, il est un peu même sentiment que nous. Oui, mais instinctivement, j'en ai dit des conneries. Oui, je sais. Le problème, c'est le seul joker restant, c'est le public, et tout le monde a entendu qu'il y avait un petit penchant pour Colette. Non, mais si tu n'aimes pas le public, n'en dégoûte pas les autres. Non, mais pas du tout, mais je suis sûre que Colette va ressortir du public, c'est certain. Et ce sera pas forcément une confirmation. Elle est pas, j'ai bien regardé, elle n'est pas dans le public, la Colette. Hein. Ou alors... J'ai regardé depuis tout à l'heure, je dis, est-ce que Colette est là? Colette, est-ce que tu es là? Ou seuls ceux qui sont sûrs et... Alors, c'est ton nom de famille ou pas? Non? Bon alors, on va faire l'appel. Dorothée, je l'ai vue. Arletty, elle est là? Elle n'est pas là, Arletty n'est pas là. Donc bon, la vie, c'est Colette. Hein. Moi, j'aurais dit Colette. Ouais, alors, qu'attention, qu'est-ce que vous... S'il vous plaît. Vous êtes sûr de qu'est-ce lui, que mais... Vous faites? Il nous a confirmé. On pensait tous les deux. Bon, Colette. Alors, comme vous voulez. Moi, Jean-Pierre, oui, je sentais Colette depuis le début. Alors, allez-y. Bon. Oh là là. Ouais, bah Colette. Je dis Colette, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, parce que... Normalement, c'est le nôtre. Hein, ça doit pas être ton dernier mot, c'est le nôtre, je suis là. Mais le nôtre, c'est ton traiteur, ça n'a rien à voir.
Non, non, mais je le sens comme ça, Elodie. On est obligé de ramener 48 000. Ouais, mais on doit ramener 48 000, ça se trouve, on va avoir 1500, là. Ouais, ça. Tu mettras la différence ? C'est un peu léger comme décision. Parce que l'enjeu est... Non, mais l'enjeu est important, 24 000 euros. Je le sentais comme ça. C'est pas validé encore. Si. C'est validé. Ah non, il a dit mon dernier mot. Non, 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 c'est validé. C'est validé ? Réponse. Si c'est pas ça. La quête de ces femmes est désignée ici par son nom de famille. Elle s'appelait Sidonie Gabrielle Colette. Ah j'aurais dû croire davantage en nous. Franchement, on le savait depuis le début. Mais oui, mais tu doutes tellement de tout. C'est terrible. Dorothée, c'est Frédéric Hocheder, Laetitia, c'est Léonie Batia. Et Mireille, c'est Mireille Artuch. Alors bravo pour Colette. Et merci Christophe. Merci. Et bravo rien Christophe. Fait, hein. Si. Il nous a confirmé. Attends, si t'appelles des mecs pour qu'ils te confirment, c'est bon. Attends, moi quand j'ai une décision à prendre, j'appelle pas tous les gens. Allô, Jean-Pierre, tu me confirmes, hein. Moi j'ai besoin de mes amis. Voilà. Méfie-toi de lui, il pense qu'à te pécho, je te le dis. Moi, je dis les choses, hein. J'ai jamais menti aux téléspectateurs. C'est ça. La question vaut... Pardon de... Ah non, on joue, oui, bien sûr. Vous interrompez. C'est moi, vous êtes Foucault. La question vaut... 72 000 euros. Dans les aventures de Tintin, l'un des amis du jeune reporter est le Maharaja de... Ah. Bah vous allez vous amuser pour prononcer, vous. Allez-y, Jean-Pierre. Rawat Sputala. Waouh. Rajawalputa. Raputa le Jouahash. Ou Ratawal Hapujadiash. Bravo. Bravo. C'est pas compliqué. Ah, c'est vrai. Alors. Et là, c'est pour 72 000 euros. Là. Là, ah ouais, si vous trouvez la réponse, là, franchement... Attendez. Rajawalputa. J'appelle le sculpteur pour la statue. Je vous fais une statue, là, équestre. Ici, là, comme ça, là. Équestre. Wow. Donc, moi, sur un poney. Non, c'est ça. D'accord. Alors, Rajawalputa. Demandez au public, l'auditorien. Ouais. Première chose. Exactement, je pense qu'on va demander au public. Oui, oui, oui. Public, à votre télécommande pour aider, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne répondent que ceux qui savent. C'est-à-dire si Tintin est dans le public, ils répondent. Dans les aventures de Tintin, l'un des amis est le Maharaja de réponse A, réponse B, réponse C ou réponse D. Vous votez maintenant. Bonne chance. Tu vois, mais je connais bien Tintin. J'ai lu beaucoup Tintin ou tu n'as aucune idée là-bas ? Si, alors j'ai déjà lu, mais je n'ai aucune idée en voyant les différences. Ah, Rawat. 48% à dire Rawat Sputala. La réponse A. 48%, attention. Pas mal, 48%. Mais vous savez qu'il n'y a pas de risque. Ouais. Vous conservez les 48 000 euros. Donc tant qu'à faire... Non, mais on a envie d'aller plus haut. Oui, mais tant qu'à faire, si le public vous a répondu à presque à 50%... Tu avais une idée, c'était quoi ton intuition ? Moi, je sais, ça me rappelle quelque chose. Mon intuition, c'est que ça démarrait par un rat. Merci, Cyril. Tu es d'une aide, mais tellement précieuse. Merci beaucoup. Mais ça, vraiment, je le savais. Mais il n'y a que des rats. Après le rat, je vois... Concentre-toi bien. Je vois un wa. Je vois un chien, je vois Milou. Wa. 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 Rawaj. Et le putala. Qu'est-ce que c'est que le putala ? Oh ben c'est connu, le putala. Oui, je suis allé dans cette région pendant des années, moi. Bien sûr. Non, mais Rajawalputa, faut s'imaginer en Tintin. Faites le capitaine Haddock. Oui. 1000 milliards de sabords, va chez Bouzouk. Faites vachement bien. Venez, capitaine. Regardez là-bas. N'était-ce pas le Maharaja de Rajawalputa ? 1000 milliards de 1000 sabords. Ou bien, regardez là-bas, capitaine. N'était-ce pas le Maharaja de Rajawalputa ?
Je le sens bien, Rawash Putana. Hein. Ouais, moi aussi. Ça sonne bien, c'est beau. On dirait un joueur de foot. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Entrée du numéro 13, Rawash Putana. Sortie du numéro 14, Ratawa Pucha. Merci. Donc j'ai vous envie me, de suivre. Vous me dites. Je vais vous lire. Je suis le public. Réponse est-ce A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Rawash Putala. Et c'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Dans les cigares du pharaon, Tintin sauve la vie du Maharaja en neutralisant un tigre qui leur saute dessus alors qu'ils sont à dos d'éléphant, situation donc assez simple. Ça arrive à tout le monde. Moi, dans la vie quotidienne. La semaine dernière, j'étais tranquillement en train de faire mes courses, là, un tigre qui arrive sur moi, je suis sur un éléphant, je dis, mec, deux minutes, je paye, vous, vous acceptez des tickets resto et je m'occupe du tigre. Voilà. Tout à fait commun. Et le Maharaja s'appelle le Maharaja de Rawash Putana. Ça sent nous. Merci beaucoup. Ah, bravo. Merci pour Ella. Merci. Non, c'est beau. Hein. 72 000 euros. Oh là là. Wow. Et vous avez, franchement, bravo, parce que je ne sais pas d'où vous connaissez ça. Génial. Mais vous si assurez, merci. Si c'est un ami à vous, vous le méritez. Voici une question. Elle vaut 100 000 euros. Le tégestophile est un collectionneur de tout objet se rapportant au champagne, à l'absinthe, au rhum, à la bière. Le tégestophile, attention, plus de joker, ou vous jouez avec les risques ou les bonheurs que cela comporte, retombez à 48 000 ou gagnez 100 000. Où vous arrêtez maintenant, à 72 000 euros? Alors... Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que on connaît pas la réponse, comme ça. Non. Non. Mais on veut essayer de comprendre. Voilà, donc on ira... Je pense qu'on n'ira pas au petit bonheur. A priori, Jean-Pierre... Parce que c'est un coup à... Parce qu'on redescend à 48 000. Hein. Vous perdez 24 000. Voilà, donc là, oui. À mon avis, Jean-Pierre, on va répondre pour le plaisir. Donc, vous dites que vous arrêtez d'abord, hein, c'est ça? Moi, j'aurais arrêté après. Ouais, on peut juste réfléchir deux secondes. Ouais, bien sûr. J'aurais dit le rhum, comme ça, moi. Parce que je sais qu'il y a des collectionneurs de tout objet sur rapport au rhum. Plutôt moi, la bière. Ouais, mais parce que toi, t'es plus... Buveuse de bière? Non. Si, si. Non, mais moi... Alors, ce qu'on va faire, si vous voulez, d'abord, vous allez me dire que vous arrêtez. Question, Elodie. On peut pas prendre... On a 72 000, voilà, c'est génial pour elle. On est déjà très contents de 72 000. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. C'est notre dernier mot. On vous applaudit très fort. Bravo. Pour 72 000 euros. Bravo, bravo. Bravo. Et maintenant... Le tégestophile. Il collectionne tout objet... se rapportant à la bière. Aïe, aïe, aïe. Bah, mais t'aurais dû venir toute seule. Les verres, les sous-bocs, les capsules, les bouteilles, ah ouais. Les étiquettes. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y en a beaucoup. On vous applaudit très fort. Merci pour le moment qu'on a passé ensemble. Merci. Et bravo pour les 72 000 euros. C'est par là la sortie. C'est par là. Pardon. Au revoir. Salut, merci Jean-Pierre. Et nous accueillons maintenant Amel Bent et François-Xavier Demaison. Magnifique. Merci. Quelle entrée superbe. Oui. On aurait dit, je sais pas, de jeunes mariés ou de jeunes communiants, premiers communiants. L'amour, quoi. L'amour, oui. Tout simplement. L'amour se lisait dans vos yeux. Amel, vous êtes vraiment impliquée dans l'association Ella. Hein? Oui, beaucoup, oui. Dites-moi enfin, pourquoi, comment. Avec Zidane, c'est ça au départ? Oui, c'est surtout pour ça. Non, 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 c'est vrai que bah, c'est l'histoire qui s'est faite comme ça. C'est les rencontres. Et du coup, bah, maintenant, quand
quand il s'agit d'Ella, oui, j'ai du mal à pas essayer de tout faire pour être présente. Ouais. Eh ben, vous allez essayer de tout faire aujourd'hui oui. avec François-Xavier, qui est également impliqué, qui a décidé d'offrir le maximum. Oui. La dernière fois que j'ai soutenu Ella, j'avais une perruque sur la tête et j'ai imité Karl Lagerfeld. Donc là, c'est une mais version un peu plus sobre. On va dire c'est plus sobre. Voilà. Moi, j'ai dansé Waka Waka sous la pluie. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est quand même un peu plus Regardez la pyramide qui vous attend tous les deux. Première question, 800. Un palier à 1500. Un autre à 48 000. Le million, pourquoi le pas million, hein. Le million. C'est notre objectif, Jean-Pierre. Je comprends. Oui, oui. Il y a 12 ans que chacun des candidats me dit la même chose. Oui. Il est dur. Oh là là. 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Pour la bonne cause, la grande et noble cause, pour les enfants, pour les familles, voici Amel Bent et François-Xavier Demaison qui jouent à Qui veut gagner des millions. Première question. Si vous rencontrez un DRH, il est bon que vous sachiez qu'il s'agit du directeur des Rocker Hirsute, directeur des robots I2, directeur des réalisateurs Hilar, il y en a de moins en moins d'ailleurs, directeur des ressources humaines. Pour en avoir rencontré quelques-uns. C'est jamais bon signe quand on les rencontre, parfois. Oui. La D. La réponse D. J'étais obligée de le faire. Pourquoi ce petit accent russe tout d'un coup ? On se croirait dans James Bond. Mr. Bond, la réponse est D. La réponse D. Is that your last answer? Yes, sir. That's my fucking answer, man. C'est en effet le directeur des ressources humaines, bien sûr. Bonne réponse. On a 800. Déjà, c'est ça. Déjà, on a 800. Voilà. Avant, on appelait ça le chef du personnel, non? Maintenant, oui, c'est ça, directeur c'est du personnel. Maintenant, c'est les ressources humaines. C'est mieux. On se fait toujours virer, mais. Mais avec par le directeur des ressources c'est mieux, humaines. C'est mieux, tout à fait. Deuxième question, et le premier palier à 1500 euros. Quel est le nom du chien de Mickey? Plus tôt? Plus tard? Plus vite? Plus fort? Attention, réfléchissez bien. Ça n'est pas une question évidente. Ça me paraît quand même difficile. Et c'est l'ami personnel de Mickey qui vous le dit. Vous le connaissez? Ben surtout Minnie. Ah oh. Vous vivez à Euro Disneyland, d'ailleurs. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que on m'écoute à la maison. Alors La réponse A, plutôt. On va plutôt prendre la réponse A. Oui. Et voilà. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Le mot, en effet, bonne réponse, François-Xavier. Amen. C'est plutôt. Voilà. 1507, on est tranquille. C'est bien là, ça fait très fort, vraiment. On pourrait être relax, mais tout d'un coup, vous nous mettez... Et là, on est très angoissé. Voici la question qui vaut 3000 euros. Là, c'est pire. Voulez-vous compléter l'aventura de Stone et du regretté Eric Chardin? L'aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi, qui m'entourent les bras, qui me tiennent près de toi, qui se mêle à nos draps. Allez-y, chantez un peu, là. Qui veut chanter? Pas moi. Si. 3. L'aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. François-Xavier. Pareil. C'est ça, hein? C'est ça. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Je suis plus Rihanna, donc tu vois, tout de suite... Ah oui, c'est pas la même chose. Mais oui, c'est, a priori, c'est ça. Tes mains qui me tiennent près de toi. Ça marche, et les quatre marchent. À nos draps. On va pas. Non. On va pas bugger ici, quand même. Non, c'est. C'est pas. La honte. Moi, je pense que c'est se pose sur moi. Mais. Alors, vous me dites. Tu veux qu'on se le confirme? On fait un. On va pas utiliser un joker maintenant, c'est la honte. Non. C'est ce que vous aviez dit tous les deux en premier. Oui. Hein. Oui. Ah. C'est votre dernier mot? Oui. T'es sûr? Oui. C'est trop tard. T'as dit c'est mon dernier mot. Je vais tomber dans les pommes. Ça y est. Je stresse, Jean-Pierre, arrêtez. L'aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Bonne réponse. Bien sûr.
eu très peur. On a eu très peur. 3000. Pas mal. On continue avec la question qui vaut 6000 euros à Amel et François. Xavier. Oui. Qu'y a-t-il sur le manche d'un couteau suisse? Une étoile? Une flamme? Une croix? Un flocon? Oh, on a tous vu ou quand on était gamin. Oui, c'est la croix comme la croix rouge. Ou comme la croix suisse. La croix de Chabot. Voilà. Comme, comme la croix. Oui. Alors vous me dites, je ne peux rien dire, je vous dirai après. C'est pas pour une moi, étoile. Pour moi, ça paraît. C'est un couteau suisse. Bah oui, donc c'est une c'est croix. Une croix. C'est une croix. Arrêtez de me regarder comme ça. C'est une croix. Enfin, Jean-Pierre. C'est fou que vous, quand même. C'est, hein? c'est votre dernier mot? Oui. Oui. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. C'est la croix suisse, elle est blanche. Hein. Oui. C'est ça. Comme vous le disiez, c'est justement Amel tout à l'heure. Bonne réponse, en effet. D'accord. Il fait douter. C'est comme la croix rouge. Mais elle est sur fond rouge. C'est ça. Non, mais j'ai besoin de. Et d'ailleurs, la croix rouge vient du fait que c'était les Suisses qui ont créé la croix Monsieur rouge. Monsieur Henri Dunant à Genève. Voilà. Donc, c'est pas si. Non. C'était très bien. C'était bien. Voilà. Donc, là, on. Mais 6 000 euros. On a tout notre joker. On continue, c'est un excellent rythme. Vous avez toujours vos trois jokers. Vous maniez la dérision, c'est parfait. La culture de savoir. On a déjà été plus relax quand même. Hein. On a déjà manié. Oui. Cinquième question, 12 000 euros. En avril 2012, après un an de mariage, Kate et William ont célébré leurs noces de papier qui sont en France. Les noces de Muguet, les noces de coton, les noces de faïence, les noces de cuir. Alors, noces de papier, normalement, c'est 53 ans, c'est énorme les noces de papier. Les noces de cuir, c'est quand on est un peu sadomaso. Oui. Je pense que c'est les noces de coton, c'est... 10 ans de sadomasochisme avec toi, mon amour. Ça, c'est les noces de cuir. Tu sais, ma grand-mère adore cette émission. Pardon. Mamie. C'était pas ce que je voulais dire. Je le connais pas. Non. Pardon, madame. Donc, je pense que c'est les noces de coton. Moi aussi. Parce que c'est les... Ça me paraît... les noces, les... C'est aussi. Un an, les noces de coton. Ouais, moi aussi, je pense ils, que c'est ils ça. Ont fêté un an, déjà. En avril ça va vite, 2012. Hein. Avril et ils 2011. S'aiment toujours. C'est formidable. Oui, moi je pense que c'est les noces de coton, les noces de Muguet, j'en ai jamais entendu parler. Faïence, il n'y a pas de noces de faïence, enfin. Non. Ah, ils sont capables. Des noces de carrelage. Ah, ils sont capables. Ils sont capables d'inventer une noce de faïence. Non, les noces de coton a priori. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense que c'est les noces de coton. Alors, est-ce que c'est votre dernier mot? Un risque, quoi. Oui. Oui. Il faut me le dire. Hein. C'est notre. Dernier Dis-le mot. Dis-le toi. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. En avril 2012, en Angleterre, il s'agit des noces de papier, mais en France, un an après, ce sont les noces de coton. Bonne réponse, bien sûr. Tu l'as dit, bonne réponse. C'est pas grave. Cuir, c'est 2 ans. Ça existe? Oui, faïence, c'est 9 ans, et muguet, c'est 13 ans aussi. Hey, ça on a eu de la chance, hein. Moi, je pensais que ça n'existait pas autour. On a eu beaucoup de bol, c'est bien. Les papiers, c'est effectivement, je crois, en France, c'est loin. C'est 52 ou 53. C'est très très loin. Ouais. Moi, c'est mon objectif. C'est pour ça que je le sais. Félicitations. Mais c'est 37 ans les noces de papier. Ah bah voilà, c'est quand même. Allez, on fait une petite pause si vous êtes d'accord, même si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs. Qui veut gagner des millions pour l'association est là avec Amel Bent et François-Xavier Demaison. Sixième question pour 24 000 euros. On est bien quand même. Oui. Sur la création d'Adam à la chapelle Sixtine, on voit Dieu tendre vers Adam son index gauche, son majeur droit, son index droit, son majeur gauche. C'est pas les majeurs, il lui fait pas ça quand même.
Non, il ne fait pas, non. Ça me paraît. Pensez désolé, à votre mamie, grand-mère. Ouais, j'ai besoin de matérialiser pour être sûr. Bien sûr. Donc je sais qu'il est comme ça. Oui, mais alors dans quel sens il est? Alors attends. Adam, il est. C'est... Lequel est en haut? Lequel est en hauteur? Parce qu'il y en a un en bas et il y en a un en haut. Comme ça. Si on arrive à déterminer lequel est en haut, lequel est en bas, si on le visualise comme ça, on n'a plus qu'à le mettre à l'envers. Ah oui, c'est ça. Et on sait de quel bras il tend. Voilà. On voit le bras, en tout cas. Non, on voit pas le bras. C'est Adam qui est par terre. C'est Adam qui est en bas. Puisque c'est lui, la création. Eh ben, c'est son... Oh, la vache. Adam, c'est l'être humain, donc il est en bas. Et donc... Dieu est en haut, ça paraît déjà oui. assez déjà. Logique. Non, mais son majeur, il peut faire comme ça. Il peut faire comme ça. Mais il va pas lui tendre son majeur, enfin. Pourquoi pas? S'il vous plaît, un peu de tenue. Non, non je mais... sais qu'il le pointe, non? C'est dur. Le hein. Non, c'est un index, mais est-ce que c'est le gauche ou le droit? C'est peut-être le moment de faire le 50-50. Ouais, moi je dirais le 50-50. Et imagine, ah. C'est, il tend le majeur. C'est bizarre qu'ils aient mis le majeur, c'est toujours assez pervers. Peut-être qu'on s'est jamais rendu compte qu'ils tendaient le majeur. Bah, c'est ça. Parce qu'ils voyaient pas le mal à cette époque-là. Ah, bah, il n'y avait pas eu la guerre de 100 ans. Ouais. Hein? Et dans ce cas-là, c'est vous qui seriez à l'index. Voilà, alors, c'est très bien ça. 50-50? Oui. Oui ou oui. 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 C'est ton dernier mot? Oui. Okay. Oui. Ordinateur retiré. Deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. C'est là, ah! Majeur droit, index droit. Non. Non, il le ferait. Index pas ça. Droit. Index. Il ne ferait, ferait pas ça. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est son index droit. C'est son index droit. Je viens de comprendre. Tu viens de comprendre? Oui. Mais je suis trop loin. Une œuvre de Michel-Ange. Oui. Où l'on voit Dieu tendre son... index droit. Bien sûr, bonne réponse. Vers l'index gauche d'Adam. Vers l'index gauche d'Adam. Il fallait déterminer... C'est l'index gauche d'Adam, puisque Adam est comme ça. Exactement. Et il tend l'index gauche, et c'est ça. Donc on a bien fait le 50-50, c'était une excellente stratégie. Oui. Donc bah écoutez, félicitations. Qu'on se le dise. Merci. Un, on s'auto-satisfait de... Ouais, voilà. 24 000 euros. On se jette des pots de fleurs. Second palier avec cette question qui vaut 48 000 euros. Regarde. Ça veut dire que là, si on perd, on a 48 000? Ah non, pas si on gagne. Si, maintenant, il faut gagner encore. D'accord. Oui. Qui est l'auteur de la phrase « La valeur n'attend point le nombre des années » ? Aucune idée. La Fontaine. C'est sûr. Hugo. C'est là qu'il y est pas, je te tue. Molière. Corneille. Alors tout de suite, François-Xavier, vous l'avez dit à l'oreille. Corneille. Oui, Corneille. Pourquoi Corneille? C'est dans le Cid. Et aux âmes bien-aimées, la valeur n'attend point le nombre des années. À moi, compte de mots. C'est quand... Frimeur. Rodrigue va voir le comte. Je pense que c'est Corneille. Je pense qu'on a... Mais tu veux dire Corneille de... Je suis Corneille. Seule. Ah, non. Non, non, pas le même, c'est pas ah, le même. D'accord. C'est une blague, hein, rassurez-vous. Hein. On sait jamais. C'est celui qui joue à la belote. Rodrigue, as-tu du cœur? Bon. Voilà. C'est votre dernier mot. Pas de dilemme. Ah ben voilà. C'est votre dernier mot. Oui. Oui. C'est bien, je suis contente. Je suis contente de le faire avec toi. Je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point, le nombre des années. Corneille, bravo! 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 Oui, ça y est! On va faire descendre, ça c'est bien. Un million euros. 48 000, bravo, super, tous les deux. Félicitations. Merci. Alors généralement, quand on a gagné facilement une question, la suivante... Là! Vous êtes un peu comme ça oui, dans je l'émission. Je sais qu'il y a un logiciel comme ça. Le jeu est un peu comme ça. Quand c'est trop easy. Mais je tiens à vous dire, Jean-Pierre, que Amel et moi, on s'est enfermés pendant 15 jours avec la boîte de jeu, là. Ouais. Et moi, on a bossé. Sur mon smartphone. On a bossé. Et vous parlez dedans et tout. C'est vrai, ouais. Je parle dedans. Et c'est pas confortable, hein, votre smartphone. Hein. Ouais. Tu es tout coincé dedans. Ah. Oh. Voici la question qui vaut 72 000 euros. Lequel de ces prénoms de garçon a été le plus donné en France, en 2011. Enzo. Nathan. Kevin. Mathis. Mathis.
Arthur, Matteo. Coup de fil. Je ne sais pas. Il vous reste deux jokers. Le public que vous n'avez pas utilisé, le coup de fil. Je pense Mathis ou Matteo. Si vous voulez prendre le joker du public, ne dites rien. Oui, oui. C'est tout ce que je vous conseille. J'ai aucune idée. T'as des enfants? Oui, mais bon. Moi, j'ai que des chiens. Je suis obligée de suivre les années. Ah oui, c'est ça? C'est très réglementé. Ah, cette année, c'est s'appelle... H, par exemple. C'est H, Hugo. Hugo. Mais il n'y a pas Hugo dans la... Non. Et puis, c'est pas, on parle pas de chiens, quoi. Non. Je ne peux pas vous aider. Mais moi, j'ai une fille. Donc, les prénoms de garçons... Matteo, tu la verrais, Matteo? Ma fille? Mathéa? Mathéa. Non, je sais pas du tout. C'est pour ça que on commence faut qu'on ait public, une solution. Hein? On commence par le public, après vous verrez bien. Mais ils savent le public? Pourquoi? Pourquoi ne serait-il pas? J'en sais rien, je sais pas. Bon. Comme vous voulez. Si, si, le public. Non, allez, non, mais... Si, si, le public. Très bonne idée. Ou alors, si vous avez quelqu'un qui est sûr du coup et qui est spécialiste en prénom masculin, plutôt en année 2011. Ouais. On a tous un copain qui est non, fort. Non, le public, c'est la... C'est le bon sens, c'est le... Allez, à vos télécommandes publiques. Oui, allez. Lequel de ces prénoms de garçons a été le plus donné en France en 2011? Anathan Bématis, c'est Arthur Desmatteo. Voulez-vous voter maintenant et bonne chance! Si vous savez pas... On compte sur vous, hein? On compte, ouais. Le public dit à 65% Matteo. Ah, c'est quand même bien tranché, là. Hein. Ah, c'est bien tranché. Arthur, 4%. Moi, j'avais misé sur Mathis, je vous le dis maintenant. Moi, j'en connais pas de Matteo, par exemple. Moi, j'en connais un, mais il a 32 ans. Ah oui, s'il est né en 2011, il y a un loup, là, oui. Mais je fréquente pas les gens de moins de un an, moi. Ah, ouais. Je sais pas comment ils s'appellent. Ils ont aucune vrai. Conversation. Aucune. On appelle un ami pour confirmer. Ouais. Mais t'es sûr? Parce que là, ça vaut le coup, hein. On gâte tous nos jokers. Ouais. Oui, non, mais il faut. Tu sais, là, faut on arrive à 72 000. Hein. Là, les 48 000, ils sont à on vous. On passe le cap, là. Je te fais confiance. Oui. Elle s'appelle Valentine. Valentine, ouais, j'aime bien. Qui est Valentine? Je valide. C'est ma maîtresse. Mais tu m'as dit... Vous, vous êtes encore à l'école? Ouais, ah oui, d'accord, très bien, bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. La grand-mère. La grand-mère. Est-ce alors. Que elle avait de tout petits petons Valentine, elle avait de tout petits tétons que je tâte des allô, Valentine. Bonjour Valentine, c'est Jean-Pierre Foucault, vous allez bien? Ma chérie. Bonjour Jean-Pierre. Je suis avec François-Xavier qui essaie désespérément de prendre la parole aux côtés d'Amel Bent. On a besoin de vous pour une petite question à 72 000 euros ou... Une autre solution, vous nous faites un chèque de 72 000 euros. D'accord. Bon, je vais tenter de répondre à la question, alors. C'est comme vous voulez, hein. Je veux pas vous influencer. Question, d'accord. Attention, François-Xavier vous livre la question. Top, c'est parti. Valentine, lequel de ces prénoms de garçon a été le plus donné en France en 2011? Bite. Nathan, okay, Mathis, Arthur ou Matteo? Nathan... Baptiste, Arthur, Matteo, c'est ça les quatre? Oui. Vite, vite, il reste 15 secondes. En 2011, je dirais Matteo. Moi, dans ma tête, c'était Emma et Matteo, les deux plus grands. Matteo, alors merci. Merci, tu confirmes le vote du public. Merci. Donc, si vous vous êtes tous plantés, ce ne sera pas de notre faute. Ah, vraiment, là. Merci, Valentine. Salut. Merci, au revoir, Valentine. Je... Ce soir, je rentrerai pas trop tard. Ouais, bah, on aurait dû faire confiance au public. Allez. Allez, une seconde, c'est moi qui décide. Oui, allez. Pardon. réponse D, Matteo. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Oui, mais... On n'a plus de joker. Oui, mais on a... On a 72 000. Voilà. Ou pas. Lequel de ces prénoms de garçon a été le plus donné en France en 2011? Je transpire. Réponse. Nathan. Oh, le traumatisme. Ah, je suis traumatisée, là. Nathan en tête, puis dans le classement, Mathis, Arthur et en dernier, Matteo. Oh non! Ah si!
mais quand même une somme c'est absolument une magnifique pour l'association. Non, c'est pas une blague. Pour l'association, elle est là. Merci à tous les deux. Merci à très bientôt. Merci. Au revoir, Amel. Au revoir, François Xavier. Au revoir. Tout de suite, j'accueille Régis Laspalès et Philippe Chevalier. Bonjour monsieur, bonjour jeune homme, asseyez-vous. Vous êtes ici chez vous. Ah ben oui. Et merci. Vous allez répondre à un maximum de questions. Philippe et Régis pour l'association est là pour apporter de l'argent pour la recherche et pour les parents des enfants qui souffrent de l'icodystrophie. Vous serez au théâtre de la Porte Saint-Martin début là, non, là. À partir du 7 septembre. Du 7 septembre. Les Menteurs. Les Menteurs, une pièce anglaise. Totalement folle. Ça m'étonne de vous, totalement folle. Hein. Comme c'est curieux. Voilà. Alors, avant d'aller vous applaudir, vous allez répondre à les questions. Eh oui. On va essayer. Voici la pyramide des gains. Ça, simplement pour savoir ce qui vous attend. Une première question à 800, une douzième question à 1 million d'euros. Aussi simple que ça. Il y a des questions, mais le problème, c'est qu'il faut aussi les réponses. Alors, il y a trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Si vous êtes d'accord, on ne perd pas une seconde. On y va ? Allez. Allez, on y va. Voici Allez. Donc Régis Laspalès Allez. Et Philippe Chevalier. Ensemble pour Ella, vous jouez, nous jouons à qui veut gagner des millions. Première question. Comment appelle-t-on les personnes qui visitent une région à vélo ? Les courageux. Les touristes fauchés. Les cyclo-touristes. Des fadas, comme on dit dans le midi de la France. Alors, à ton avis ? Toutes les réponses sont bonnes, là. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai, parce que... C'est vrai, on peut la région dire. À vélo... Quoi oui. qu'on dise, ça marche, hein. Ça oui, marche, quoi oui. qu'on dise, oui, c'est oui. bon. Mais, oui. évidemment, ah. la oui. vraie définition, oui. ça doit être... Parce qu'il ne faut pas être fauché, hein, si on veut un beau vélo. Ah oui, 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 bien sûr. Enfin, bon, on pense que c'est la C. Oui. C'est-à-dire les... Cyclotouristes. Les cyclotouristes. Évidemment, très bonne réponse. Bravo, voilà. monsieur. Bravo, messieurs. 800, voilà, le plus dur est fait. Voilà. Ouf. Ah, voici voilà. la question qui vaut 1500 euros. Dans aucun livre de cuisine, vous ne trouverez la recette du pied de porc, de la langue de veau, de la cervelle d'agneau, de l'œil de bœuf. C'est drôle, ça. Oui. C'est drôle, oui, oui. Bon, ben, je crois que là aussi, il n'y a pas trop d'hésitation, non ? Alors, effectivement, il y a un truc qu'on mange moins souvent. Oui. Et puis, il y a un double sens aussi. Hein. Oui. Ouais. Alors, c'est la D. La D. Vous ne mangez jamais d'œil de bœuf, non ? Non, ben non. Non, c'est... Ni de chien assis. C'est la bonne réponse, évidemment. Bravo, 1500 euros. Bon, pour l'instant, tout se passe bien, ça ne peut pas se passer mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Ah là, ouais, on a tout bon. Voici la troisième question qui vaut 3000 euros, Régis et Philippe. Au cinéma, l'un des plus gros succès de 2012 est sur la piste du marsupilami, du marsipulami, du marsupilami, du marsipilami. Alors, vous avez marsupulami, marsipulami, marsupilami. Vous drôle, vous débrouillez. C'est voilà. très piégeant, hein, c'est marsupilami. Oui. Marsupilami. Oui, je pense, oui. Alors, regarde, vérifions. C'est marsupilami, c'est le C. Hein. C'est le C. C'est très drôle. Marsupilami. Comme... Marsupilami. Voilà. Vous me dites donc. La réponse, c'est Jean-Pierre. Très bien. J'en prends bonne note. C'est votre dernier mot. Dis donc, toi, que c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. Le film d'Alain Chabat avec, entre autres, Jamel Debbouze, c'est le marsupilami. En effet, bonne réponse. C'est
C'est plus difficile, ça, déjà. Hein. Ça commence à devenir, je reconnais, ça commence à... Encore que... Oui, encore que... Parce que là, oui, oui. Ouba Ouba, il nous a suivis pendant notre adolescence. C'est le marsupilami. Quatrième question. 6 000 euros. Qu'a-t-on utilisé cette année à Roland-Garros pour chasser les pigeons? Vous savez qu'ils viennent parfois troubler les épreuves de tennis. Ça, oui. Des chiens, des faucons, des chats, des mouettes. J'aurais tendance à dire des faucons. Parce que des mouettes, ça se dresse pas quand même. Dresser une mouette, bon, je parle pas des chiens et des chats. Les faucons, à Roland-Garros, c'est dangereux quand même. Moi, je crois que ce sont des faucons. On en connaît beaucoup de vrais, mais là, je crois que c'était... Bien sûr, je crois que c'était des faux. Mais des vrais. Mais des vrais faux, Ouais. Non, mais j'ai entendu ça. Ou alors des mouettes, mais... Toi, tu serais plus pour la mouette? Non, c'est pas la région. Ah bah si, ah bah attends. Bah si, il y a des mouettes à Paris. Ouais. Bah bien sûr, sur la Seine. Il y a des mouettes. Il y a peu de goélands, mais... Non, mais là, je crois que ce sont des faucons dressés. À marée basse, on les a dressés, je crois. On les a dressés, oui, comme dans les aéroports. Ouais. Oui. Pour chasser les avions. Dans les aéroports, c'est pour chasser les avions. Non, les oiseaux. Pour éviter qu'ils se posent, oui, c'est ça. Non, les oiseaux aussi. Bon, alors... Allez, je crois qu'on va dire la réponse B. C'est votre dernier mot? Oui, dernier mot. Pour éviter que les pigeons ne gênent les joueurs ou soient sur la trajectoire des balles, ce sont évidemment des faucons. Bonne réponse. Dressés, évidemment. Les faucons dressés, bon, forcément. Vous avez 6 000 euros. 12 000 euros, cinquième question. Ah. Attention. Que signale le panneau routier où figurent une maison et un sapin? Restaurant? Auberge de jeunesse, camping, aire de repos. Ça, c'est une question piège. Vous avez votre permis tous les deux? Oui. Donc vous savez? Non, bah, on est censé le savoir. Ah, mais voilà. On le voit pas, le panneau. Une maison et un sapin. C'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours. Non. Parce que l'aire de repos, je crois que c'est une table et un sapin. L'auberge de jeunesse. Et si on demandait au public? Oui. Parce que là, à moins que tu saches, toi, moi, là, je suis... Bon, c'est pas le camping. Après tout, j'en sais rien. Une maison et un sapin. Non, c'est pas le camping. Si vous voulez demander au public, arrêtez de... Oui. Éventuellement de donner votre avis. Ah oui, c'est ça. Il faut pas influencer le public. Éventuellement. Et le mettre sur une mauvaise piste. Tout à fait. Moi, je serais d'accord de demander l'avis du public. Ou alors, tu préfères le 50-50? Est-ce que tu hésites entre deux? Où c'est que t'en es de ta réflexion, mon petit gars? Il faut pas le dire. Ah oui, c'est vrai. T'as une idée, toi? Voilà, je suis largué, là. Peut-être sur le... L'auberge de jeunesse? Bah oui, ça serait... Enfin, bon. Non, alors on moi, demande... je suis sûr que le public, il sait. Alors, demandons au public. À vos télécommandes publiques, voulez-vous nous dire ce que signale le panneau routier? Où figurent une maison et un sapin? A, un restaurant. B, une auberge de jeunesse. C, un camping. D, une aire de repos. Voulez-vous, si vous savez, voter maintenant? Merci. Ah. 45% l'auberge de jeunesse, 44% l'aire de repos. Pas de restaurant et 11% de camping. Alors, c'est pas fait pour nous arranger, ça. Ouais, moi, c'est attendez, je veux pas vous bousculer. La maison. Prenez le 50-50, franchement. En plus? Ben oui, parce bah oui, que... Oui, mais après, on n'a plus rien. Ah oui, mais vous n'aurez plus rien si vous partez aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est l'auberge de jeunesse, mais bon... On va écouter Jean-Pierre. Bon, ça, d'accord. Allez, 50-50. Alors là, ce serait bien le comble qu'on nous mette l'auberge de jeunesse et l'aire de repos. Ça serait catastrophique. Retirez deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Alors, auberge de jeunesse ou camping? Le camping, 11%. L'auberge de jeunesse, 45%. Bon, ben, c'est l'auberge de jeunesse, hein.
Pour moi, c'est pas le camping. Si c'est une maison, oui. Mais si on voit pas le panneau, c'est ça qui est... On le voit pas souvent, ce panneau. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah oui, c'est pour ça, Jean-Pierre. Hein. Moi, je crois qu'il faut faire confiance au public. Le public nous a toujours soutenus. L'auberge. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre, l'auberge de jeunesse. Attention, auberge de jeunesse. Noir sur fond blanc, c'est l'auberge de jeunesse. Merci, bravo, public. Le resto, c'est les couverts. Le camping, c'est la tente et la caravane. Ouais. Ouais. Et quant à l'aire de repos, c'est le sapin et la table et le banc. Et la table et le banc. Pour pique-niquer. Voilà. D'accord. 12 000 euros, bravo. On a perdu deux jokers. Oui, non. Et vous avez gagné 12 000 euros. Exactement. Voilà. Et oui, c'est pas grave. Tout va bien. Question à 24 000 euros. Philippe et Régis, la voici. Au Monopoly classique, quelle est la première gare qui se trouve juste après la case départ? Gare de Lyon? Gare du Nord? Gare Saint-Lazare? Gare Montparnasse? Là, on n'a plus rien, on a juste l'appel à un ami. Et puis vos connaissances. Et nos connaissances. Alors, quand on joue au Monopoly, tout de suite après la case départ, il y a une... Enfin, pas tout de suite, mais quelques cases après, quelle est la première gare? Il y a une gare par côté, je pense. Hein. Ou vous savez, ou vous savez pas. Ah ouais, non, mais ça... T'as qui comme joker, toi? José. T'as José? Non, appelons José, on risque rien, parce qu'après... Allez, on appelle José, d'accord. On verra bien, après. Ouais, après, on peut plus les appeler. Bah, tant pis. Là, on est bien embêté là. On appelle façon. José, puis vous on verrez. José. Oui, c'est, il sait. S'il ne sait pas, vous arrêtez à 12 000. Ben voilà. Ben voilà. Bonsoir, Jean-Pierre. Ah, ben vous savez déjà. Oh, ben alors lui. Ah, ben ça, c'est formidable. Avant même quoi que ce soit, vous dites bonsoir, José. Je suis avec Philippe et Régis. Ah, ben lui, il est un gars responsable. Et nous avons besoin de vous pour une question à 24 000 euros, mon cher José. Très bien. OK, c'est Philippe, votre ami. Qui va vous la poser. C'est Régis, en l'occurrence. Mais c'est Régis, pardon. On est amis de rejoindre tous les deux. Hein. C'est Régis qui va la poser. Attention, c'est parti. Au Monopoly classique, quelle est la première gare après la case départ? Lyon, Nord, Saint-Lazare ou Montparnasse? Gare du Nord, gare Saint-Lazare ou gare Montparnasse? La première après la case départ. Hein. Est-ce que c'est la gare... 15 secondes, vite. Je réfléchis parce que je jouais avec mon père il y a longtemps. Je dirais la gare Montparnasse. Vous êtes sûr du coup ou pas? Vous êtes sûr du coup ou pas? J'ai vraiment une hésitation. Alors? C'est votre ami, hein? Il n'avait pas l'air sûr de lui sur ce coup-là. Hein. Et toi, t'as plus une... Tu dis Montparnasse ou Lyon, toi? Est-ce que vous écoutez votre ami ou pas? Moi, je pensais plus à la gare de Lyon, mais... Ah. Ouais, merci. J'en suis pas certain non plus. Bon, bah alors, il n'y a qu'une seule solution. Bah, on dit au revoir et merci. En disant que vous arrêtez à 12 000. Bah, on arrête à 12 000. C'est votre dernier mot? Bah oui. C'est la raison qui l'emporte. Bravo. En tout cas... On voit, Jean-Pierre, qu'on ne peut compter sur aucun ami. Attendez. On va avoir la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit, José, votre ami? Il a dit gare de Montparnasse. Et la réponse est gare Montparnasse. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Vous gagnez 12 000 euros de mieux pour l'association LA. Merci à vous deux, Régis et Philippe. Merci. À bientôt. Merci Jean-Pierre. Au c'est par ici, messieurs. Merci beaucoup. Un grand bravo et un grand merci aux artistes qui ce soir ont permis à l'association ELA de gagner 204 000 euros pour faire du bien. 204 000 euros pour la recherche. Et pour que les parents soient près des enfants. Merci à toutes et à tous pour votre générosité. Faites de même si vous pouvez.
Le nom de notre troisième gagnant s'affiche maintenant en bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur TF1. Bonsoir.